Mais pas sur l'or le podcast sur l'autoproduction, qui est aussi un documentaire, qui va être aussi peut-être une série. En tout cas, bref, il y, y a plein d'affaires qui se passent. You know what I'm about. Euh, ben, cette semaine, en fait, on jase avec mon, mon, mon père spirituel de production. <laughs> en fait, c'est. Euh, oui, non, je sais, je je beaucoup mes vrais parents dans le cadre de ce podcast-là. Vous aviez juste à plus influencer ma carrière, Monique André. Fait que, non, non, mais pour vrai, je suis, je suis content de te voir, en fait, parce qu'autant que tu es une des premières personnes à qui j'ai parlé d'humour dans la vie, tu es aussi, en fait, quand même un modèle, autant pour ceux qui veulent partir des soirées d'humour que pour ceux qui veulent littéralement ouvrir des établissements. Et il n'y a, y a, y a pas beaucoup de monde, en fait, que j'aurais pu inviter pour, faire, pour parler d'un parcours similaire au tien. Fait que je suis très, et accepté oui, je très content d'être là aussi. Charles Deschamps, pour, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu. Le gros chapeau. Oui, 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 celui-là même. C'est breveté. T'as as, as un dépôt à la Sartec ouais. pour ces chapeaux-là. Je suis content que ça fasse autant partie de ta démarche artistique. Mais comment ça va, Charles? <laughs> Très bien, de bonne humeur. Yeah, yeah, tu passes une belle journée. Oui. Belle journée, euh, des spectacles ce soir, ça me rend heureux. Ah, euh, c'est le fun, tu joues où? Ouais? Euh, ce soir au terminal. Ah, c'est fun, ça. Je, je reviens du, euh, du Mexique. Euh... Oh shit! Ah, t'es pas au courant de ces portails là Non! J'étais allé écrire pour l'île de l'amour, moi. Ben tabarnak. Ouais, j'étais. <laughs> j'en suis pas fier, j'en ai pas parlé d'une part, ça fait vraiment que j'en parle. <laughs> euh, c'est ça, fait que j'ai pas fait de setup pendant deux mois. Oh my god. Fait que là, je suis revenu a un mois, je me suis dit, faut que j'écrive une nouvelle demi-heure en 30 jours. Puis là, c'est ce soir que je fais ma nouvelle demi-heure. Ah, c'est belle fun. C'est parce que je trouvais que t'étais étais un peu balsané, mais on se connaît pas assez pour couvrir... Je table. C'est pas pour ça de brasage ou dans non, les... non c'est ça. Là, j'étais comme genre ben voyons... Deux bien. mois à Los Cabos. Ben oui, ben écoute, félicitations, ça sonne le fun. Puis ça sonne comme un contrat relativement payant. Si tu l'as fait pour deux coupons de bière, je suis déçu. Je l'ai <laughs> fait pour trois coupons de bière. <laughs> oh, la bière du Mexique, c'est la pire en plus. Il mais... ben, y avait de la corona, il y avait des de bonnes affaires. Non, il y a des bonnes bières, mexicaines. Deux très mauvaises années pour boire de la corona, Bon point, mais elle n'était pas chère à cause de ça. Ah, ah c'est vrai qu'elle est tout le temps spéciale ces temps-ci. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Quoi, je suis je, je, je content, c'est du bon potin, mm -hmm. ça, euh, mon Dieu. J'ai l'impression que cette entrevue va être une surenchère de potins, because oh. that's what we do. J'ai euh, ben, quasiment le de commencer par ça. J'allais venir à ça plus tard dans l'entrevue, en fait. Mais si. Il euh, y en a, a des phrases, je ne sais pas à quel point c'est public, mais euh, ta phrase culte dans le milieu, c'est quoi les potins? Ouais. Mais euh, en plus d'être euh, potineux comme frère, j'ai toujours trouvé ça drôle parce que c'est aussi moi, j'ai réalisé que les potins, c'est un outil de travail. Euh, je suis en train en ce moment de, de, de vendre un cours d'autoproduction à l'ENH. Okay. Euh, ironiquement, je vais me faire produire un cours d'autoproduction. C'est très méta, tout ça. Et il euh, y a littéralement euh, 12 slides de PowerPoint sur euh, savoir ce qui se passe. C'est des outils sérieux, autant de booking que de production. Et euh, ben, j'aimerais peut-être qu'on commence par ça. En fait, c'est quoi l'importance des potins dans ta carrière? <laughs> euh, ben, en fait, ça a commencé comme une joke de. J'ai commencé à dire ça pour. C'était ma manière de dire comment ça va, quoi de neuf dans ta vie. Mm -hmm. C'était comme le, le merge des deux. Quoi okay. de neuf, puis comment ça va. Puis là, à un moment donné, le monde, c'est encore. Oh, j'ai un solide potin. Pis là, mais c'est pas du potinage de Keith French C'est comme. Neige oh, t'as suivi le nouveau special? As -tu vu ça? » Puis on dirait que c'est comme devenu un peu euh, la phrase. Puis. Des fois, le monde sont stressés de me voir. Oh non, <laughs> j'ai pas de potin! Qu'est-ce que Charles va passer? » Ça me fait rire. Je suis pas tant potineux, euh, je suis pas très. Euh, mais c'est comme devenu une espèce de, 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 de joke de quand je vois quelqu'un, je me demande c'est quoi le potin. Puis souvent, c'est que. Quand que le monde en annonce, sont vraiment contents de le dire. Puis des fois, il y a des belles histoires qui parlent de ça. Puis la conversation oui. commence plus rapidement. Là. Oui, absolument. Ben, genre, moi, je vois ça comme un peu. Euh, je veux plus les nouvelles depuis un certain temps parce qu'il faut que j'ai. pas assez d'heures en une journée. Mais j'aime bien être croisé, en fait juste pour avoir une espèce de, de, de input très très direct sur ce quoi mettons le top 3 des affaires à savoir sur l'industrie cette semaine. Genre, et c'est quelque chose qui m'a aidé souvent. il y a des points de vue positifs, à savoir que tu es, es très ouvert à parler des gens qui rentrent bien, par exemple, à tes soirées, autant que s'il y a des gens problématiques, es très ouvert à en parler aussi. Mm -hmm. je dois réaliser, en fait, quand tu produisais des soirées dans les line-up les trucs, c'est outre ton aspect moral, savoir qui qui est problématique, c'est aussi faire ta job. Genre, c'est. Euh... J'ai eu un, comment dire, un gros cours de booking que j'ai appris sur le top. À, à un moment donné, je bookais le jockey, l'open mic puis le bordel. C'était comme du booking, c'était 150 messages par jour que je répondais. Ah, c'est sûr. Puis à un moment donné, c'est que y a moi, ce que j'aime en humour, puis après ça, il y a ce qui est efficace, puis ce qui mm -hmm. est intéressant, puis essayer de. De respecter tout le monde là-dedans. Là. Surtout que c'est trois bookings complètement différents. Mais c'était fucking utile parce que, mettons, quelqu'un qui pense qu'il est au niveau du bordel et que moi, je pense pas, je suis comme, ah, hey, mais j'ai un spot au jockey. Quelqu'un qui pense qu'il est bon pour le jockey, mais qui n'est pas encore comme « j'ai un spot à l'open mic. j'avais comme l'espèce, j'avais le club-école du club-école. C'est <laughs> quelque chose de drôle. Tu étais, étais le pierre Calpelado Du de, booking de. <laughs> de Lubom m'appartenait, Oh my god, c'est drôle, ça. Mais euh, <laughs> c'est drôle parce que dans ce je suis dans une grosse vague de messages passifs-agressifs de booking. C'est plus rushant qu'on pense mentalement de. de tu sais, y a, y a des beaux moments, là. Comme chaque fois que j'offre le premier bordel à quelqu'un, le, les vrais chauds, mm. euh, je le textais pas, je l'appelais. Ah. Hey Vincent, qu'est-ce que tu fais demain? Rien, mec. T'as-tu toujours au bordel? Ah non, ah, J'adorais ça. Et Smart, mais cette conversation-là n'est jamais arrivée. Ben, <laughs> je parlais pas de Vincent à toi, là, je ah. parlais d'un autre Vincent. De Vincent. Vincent. C. Vincent, <laughs> Vincent, c. Vincent c. <rire> <rire> a fait le vrai bordel! Redage le gars-là, on l'accepte pas, il va chier, mais... Mais par exemple, le nombre de fois que je disais non, là, ça, c'est plus. Ça fait plus de peine. C'est ouais. plus. Non, j'en doute pas. C'est. Il euh, y a un truc que je t'ai volé, d'ailleurs, j'en profite pour le dire. J'en parlais avec Pébé Rivard, d'ailleurs, puis je vais me dédouaner à ce côté-là. Il y a beaucoup de trucs en autoproduction, en fait, que c'est un peu chill d'évoluer parce que ça devient juste une méthode de travail qui est saine, je trouve. Et euh, quelque chose que j'ai fait, que toi, je pense, euh, dans le temps de Phil Roy, tu l'avais commencé au jockey, c'est euh, moi, pour l'aile noire, je paye plus cher que le 25 traditionnel, puis on le fait vraiment depuis le début. Et autant que ça établit un certain standard en matière de rodage que ça me dédouane un peu de dire non. Bon point. Euh, en fait, moi, c'est même Phil Roy qui voulait, au début, qu'on augmente les cachets. Ah, nice. Ça que euh, je, je donne la crédit à Phil. Là, ah, génial, génial. Ben bravo, Phil, parce que j'en fais un peu je parle de bataille aussi ces temps-ci de réaugmenter le 25 qui littéralement date du Saint-Cyboire. date dit. de fait 15 ans que c'est ça, faire un show dans un bar. C'est puis... un, un genre de vrai joke, mais ça donne une belle réputation, ça donne un standard, justement, au jockey. Euh, on pourrait peut-être euh, se diriger vers là, parce que quelque chose, évidemment, que je voulais beaucoup parler avec toi. Toi... Euh, toi, t'étais à l'école de l'humour, puis t'as décidé d'ouvrir un bar. Non, j'ai ouvert un bar et j'ai décidé de faire l'école de l'humour. Oh. C'est le contraire. C'est pas moins grave. Mais c'est weird, <laughs> le. Dans le fond, Moi, dans le fond, c'est triste que je vais dire, mais euh, j'ai commencé à sortir du monde parce que c'était tranquille au bar le lundi soir. Oui. J'ai commencé à monter sur scène en me disant, les clients du vendredi-samedi vont venir voir leur chum le lundi soir. Mm -hmm. Fait que j'ai commencé à faire du stand-up de manière mercantile. Oh. C'était vraiment pour remplir la salle, puis j'ai vraiment eu du fun. Je me suis pris un cours de soir à l'école, j'ai continué, puis il y a du monde qui m'a dit hey, « Fais les auditions ». Je pense que c'est les gars des Pickbooks qui m'ont dit « Assez les auditions de l'école ah, ». C'est fun. Puis je me suis dit « Je vais faire les auditions, je serai pas pris, mais au moins ça va être un, un checklist ma chose à, mm -hmm. de ma liste de choses à faire avant de mourir. » Puis j'ai été pris, puis là, je suis d'ouvrir un bar, c'est fucking cave, j'ai pas <laughs> le temps. » Je fais, hey, Je vais y aller, il faut que j'aille au bout de ça. » ah, Me voilà huit ans plus tard. Euh, ça n'a pas dû être facile euh, si je peux me permettre. Euh. Non ça n'a pas été facile euh, au niveau du temps, la gestion du temps, euh, gestion de l'alcool, gestion de plein de choses. Euh, J'ai dû mentir à du monde, comme, on a établi la règle qu'on ne pouvait pas jouer au jockey quand tu à l'école de l'humour. Oh my God! Comme ça, on ne me demandait pas de bouquiner. Ok, c'était une vraie règle, ça. Mais là, elle n'existe plus. là! Ok, je me suis fait dire ça il y a vraiment longtemps, mais c'était peut-être pas juste... Ça a été une vraie règle parce que moi, j'étais à j'étais en première année, puis là, il y a du monde en deuxième année. Je peux-tu venir à la droguerie? Je ah seul le jockey, on. On veut pas nuire aux études des étudiants. Ah, c'est <laughs> hey <laughs> mauvais. Là. Des cours produits par Louise Richer de 2005. Là. Ah, mais <laughs> on faisait tout le temps un, un show de fête session au jockey. Oui. Comme, fait que je bookais tout le monde. Ça a été malaisant, les cours, de donner du booking à mes amis ou le monde qui sont drôles, Puis ceux qui sont moins bons, tu ne pas chez nous. Euh, pour l'avoir vécu, coup de gomme c'est pour de vrai. C'est rushant, ça. On était. Euh, Excuse-moi, je ramène ça à moi parce que je suis un humoriste blanc. Euh, Il <laughs> faut qu'on parle de moi un peu aussi. Mais euh, je fais partie d'une cohorte, en fait, qui était comme très, très ah. divisée. C'est qui cohorte, déjà? Euh, c'est euh, Michel, Michel Desrochers, Jean-Michel Martel, Péo Forget, Florian Brucker Benoît Simard, euh, Dominique Allard, ainsi de suite. Fait qu'il y a eu... Euh, c'est une belle cohorte. De... Une très belle cohorte, euh, beaucoup, beaucoup de talent. Euh, on va bien, aussi, en fait. C'est euh, spécial, mais tu sais, je suis... <coughs> une des nombreuses années qui je suis fasciné par l'autoproduction, c'est que je vois ça comme une façon concrète d'avoir un contrôle sur sa carrière sans avoir besoin de l'approbation. De l'industrie ou des gens ou de tes collègues ou ainsi de suite, c'est quelque chose à laquelle je crois parce que je pense que tout le monde a le droit de faire le métier qu'il veut faire. Dans Totalement. La vie. Euh, mais il y avait beaucoup d'enjeux moraux, en fait, dans le cadre de ma cohorte, que ça l'a divisé énormément, euh, c est, c est, en tout cas, je ne referai pas le procès de Benoît Simard ici, mais ceux qui savent, savent, et ça divisait la cohorte, à savoir ceux qui étaient pour le traitement qu'on lui faisait par rapport à ça, et ceux contre, et ça, ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chicanes, et ça a affecté mon booking, parce que dans ce temps-là, je bookais trois soirées d'humour, et il y avait du monde que je bookais dans ma classe, et d'autres monde que je ne bookais pas. Et oui, c'était subjectif, et je l'assume encore aujourd'hui, mais ça l'a créé des situations de drama puis de marde pas possibles. Fait que j'aurais dû, euh, dû t'écouter là-dessus, comme tout le reste. Mais qu'est-ce que tu penses, maintenant, justement, de... Là, toi, t'es bouqué pas à cause qu'il était pas, de la, a a pas de la même opinion que toi sur Benoît? Non, non, c'était pas nécessairement... Euh, ça, oui, un peu, en fait, pour le cas de Benoît. J'allais dire pour les opinions, en fait, parce qu'il y, y a eu des enjeux sur le racisme, il y a eu des enjeux sur un paquet d'affaires par rapport à ça. Et euh, je suis capable de faire une séparation à 90% du temps. Le truc, par contre, c'est qu'il y avait certaines personnes dans ma cohorte, comme avec d'autres mondes, qui justement se rangeaient un peu plus du côté des agresseurs. Et ça, euh, ça rendait les humoristes filles que je bouquais mal à l'aise plus souvent qu'autrement. Et ça faisait qu'elles performaient moins bien si elles étaient sous un niveau supérieur de stress. Et ça, je trouvais que ça faisait partie de ma job de okay, pas si ces crowds-là. En fait, même, c'est ma... la réponse que je donne à tout le monde que outre ta position morale dans les choses, au final, tu quand même une job de rendre des, soeurs, des loges sécuritaires et confortables. Ça, oui, ça, oui. C est, c est... Le show priorise tout le temps. Et c'est juste logique de ne pas bouquer des agresseurs, par exemple. Oui, ça, c'est ça. Euh, mais, mais, pas bouquer des agresseurs, d'accord, mais pas bouquer quelqu'un qui pense pas que la même chose que toi par rapport au traitement des agresseurs. Ah, okay. ah c'est là que j'étais comme. D'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, c'est un, un peu comme est-ce que tu boucles un gars qui est climato-sceptique, tu sais? Hey, ça, c'est drôle parce que ça dépend. Tu sais, en ce moment, je suis beaucoup là-dedans aussi à savoir est-ce que je book des gens qui ont pas été vaccinés parce qu'ils croient avoir les vaccins. Tu sais, ça, c'est un autre débat. Ah, parce que légalement, tu n'as pas le droit de ne pas les booker parce qu'ils ne sont pas vaccinés. C'est drôle. Euh, J'ai cherché vraiment en cru par rapport à ça. Ça paraît pas que mon linge mais je suis, je suis quelqu'un de lettré. et euh, J'ai contacté des avocats en fait pour savoir c'était quoi les recours légaux par rapport à ça et concrètement, parce que, soyons honnêtes, là c'est pas le cas du bordel, euh, la, la plupart des soirées, on paye au noir, parce que c'est payé cash, en fait, directement. Therefore, les humoristes qui viennent, vu qu'ils ne sont pas engagés par le bas, sont comptés comme des clients qui parlent dans un micro. C'est niaiseux de même. Par conséquent, c'est très, très... Par exemple, à Humour sans génie, c'est une demande. On a même vécu un malaise. Euh, la, on, tout le monde se fait scanner, en fait, son passeport vaccinal, même les humoristes. Et l'ancien organisateur de la soirée, duquel j'ai hérité la soirée, qui a dû céder la soirée parce qu'il parce qu n'est pas vacciné, a aucune malintention de se faire vacciner, n'a pas pu venir voir la nouvelle mouture du spectacle, de la wow. soirée qu'il a créée, parce que, parce que légalement, il n'a pas le droit d'être là. Oh my god. Il euh, y avait un fret, il y avait un fret, je ne te le cacherai pas, mais en même temps, je ne peux pas sais Elle ne veut pas fermer pendant deux semaines la gérante puis elle ne veut pas payer 10 000$ d'amende pour une connerie comme ça. Genre, fait que en tout cas, je me suis loigné du sujet, mais pour répondre à ta question... Je, je ne déboucle pas des gens par rapport au fait que je n'ai pas d'opinion aux autres. C'est toujours fait en fonction de « je veux que ce soit agréable et confortable dans les loges ». Si ça peut créer un sentiment de danger, non, je ne les boucle pas. Mais ça n'a pas rapport avec si on n'est pas d'accord. En fait, je ne suis même pas quelqu'un qui aime les débats. Je n'ai vraiment pas le besoin d'avoir raison dans la vie. C'est juste j'ai besoin que ce soit le fun. Ça répondait-tu? Oui. Ça répondait très bien à ma question. Mais en même temps, moi, j'ai dû dealer un avec ça euh, des fois voir des propos sur scène que je suis pas d'accord. Mm -hmm. Qu'est-ce que je fais avec ça? Si la personne est efficace, l'angle est intéressant, mais je suis pas d'accord avec ça. Es, c'est dur. Hein? Mais au moins l'avantage, comme d'une soirée hebdomadaire ou euh, du bordel qui est là tous les jours, c'est, même s'il si a un show par mois, mm -hmm. ça représente, tu n'enlèves tu, 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 tu pas sa voix, mais ça ne représente pas la voix de ta soirée non plus. C'est comme... Non, c'est ça, effectivement. C est, c est, euh... En fait, moi, un truc que je suis très pro, ça, puis je sais qu'il y a un moratoire sur ce mot-là, moi, je fais des listes. Euh, c'est euh, ceux qui savent, savent, encore une fois. Mais euh, moi, j'ai beaucoup de listes de classement, en fait, en fonction de qui fit où. C'est vraiment juste une question d'organiser mes affaires en tant que booker. Par exemple, j'ai une liste d'humoristes qui ont des chars, juste pour le fait que... <laughs> Oui, mais c'est utile. T'es bien trop d'organiser. <laughs> je sais, je sais, je sais, ça paraît pas, mais c'est, euh, ça, ça m'aide à bien faire mon travail. Euh, euh, au, euh, au deuxième gala de la relève que j'avais participé... Euh, tu nous autres, a on, moi et Mylène, quand on se faisait demander du booking, on disait oui. « Ah, je te mets sur ma liste », mais tu sais, la liste n'a jamais existé. moi je sais. Puis là, il y a quelqu'un qui l'a dit sur scène au Gala de la Reine, en on dit « Oh non, le monde va savoir que c'est pas vrai, <laughs> que c'est un mensonge! » on, on a même fait une mini-crise d'anxiété, mais toi, tu fais vraiment des listes de... Oh oui, oui, non, moi, j'ai des Google Docs, là. J'ai un dossier, puis il est vraiment large, tu sais, genre, c'est juste le principe qu'il y a des... Euh... J'ai une liste d'humoristes qui me font fucking rire. C'est drôle en plus parce que t'es sur cette liste-là. Euh, de, de gens qui me font fucking rire mais qui vont dans l'humour très noir. Et euh, je sais pas si tu l'assumes ou tu tu l'assumes pas mais ouais. je peux pas exactement te booker dans 100% des soirées en fait dépendamment de Moi, je pense que tu, tu devrais. Faire. OK. Sinon, je trouve que ça crée des... Euh, des écho dans quel sens Je connais pas ce terme. Euh, ben des, 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 euh, le terme éco chambers, c'est trop, j'aurais aurais cru que tu okay. des chambres d'écho de tout le monde en la même opinion, plus ah, okay, dans okay, ce okay. sens-là. Oh mon dieu, oui, non, non, effectivement, puis non, je veux vraiment pas ça. fait, Moi, le, le fait que, mettons, aller jouer au bad du durée, j'adore ça, parce oui. que ça, moi, ça me déstabilise comme artiste, okay. puis ça m'apprend à travailler. Je pense que ça... Et là, le terme est peut-être violent, là, mais... Euh, ça peut ghettotiser mm -hmm. euh, l'humour ethnique de juste avoir des humoristes ethniques, puis finalement ils se forment leur crowd, puis tout le monde consomme l'argent d'humour de leur bord. Okay. Fait que de voir Val Bézil au, mm -hmm. bad, au bad Girls durer, j'adore ça. Ben oui, ben oui, rendu euh, euh, La même. semaine passée, je suis allé faire euh, humour et euh, humour euh, politique. Oui. oui. Puis tu sais, c'est ok, est-ce que mon stock va passer? Est-ce que, tu sais, j'ai pris du stock, que je pense qu'il y a un peu de critique sociale dedans, mais tu sais, reste. Ça restait des jokes de masturbation, puis ouais. sur la pauvreté puis la richesse. Mais je pense que c'est bon pour les artistes, puis c'est bon pour la soirée de déstabiliser le public et l'artiste. Okay. Hein. Okay, okay, okay. Même si tu fais du monde, sur un beaucoup de soirées qui t'sais... Ok, ok, non, j'avoue que l'exemple, peut-être, bah, bon, j'aurais dû, euh, dû dire GF, mais c'est ça, <laughs> ça. Oui, mais je crois, oui, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des types... Il y, y a certains artistes qui ne font pas nul. Le pire, c'est que je pourrais dire Genre. ça, puis c'est pas pour devenir ton ami aussi, mais j'avoue que tu as quand même un niveau d'expérience où j'ai l'impression que tu es capable de... De m'adapter au public, puis changer de... ton fusil d'épaule sur scène. À même, à même mais regarde si on prend l'exemple de Jeff Denomy JF dénommé, oui. euh, dénommé s'il fait juste faire du GHB mm -hmm. il va se perdre comme artiste oui. c'est important qu'il joue dans les autres soirées parce que ça ne rentre pas effectivement qu'il apprenne tu sais. effectivement effectivement t'as raison je m'en vais pas obstiner c'est une leçon que je vais prendre <laughs> encore une fois c'est va... pas obstiner on, on apprend ensemble non non, ce non mais c'est vrai ça va dans tous les sens j'ai dit le mot noir parce que bah genre je connais je suis très fan de ton type d'humour en fait aussi fait c'est pas contre toi mais sais j'y vais j'ai littéralement déjà eu une soirée où quand il y avait des jokes euh, euh, Pro-vegan, il y avait limite une bataille qui finissait par partir. Genre, comme c'est. Tu tout le temps un farmer dans la salle qui était en tabarnak parce que c'est comme si on insultait son métier. Il fallait qu'on explique que du stand-up, c'est pas une conférence. non, non c'est Un genre de comme, balancer ceci et le nouvel agenda politique de la soirée, les chums. C'est bizarre, mais j'avoue qu'en même temps, j'ai peut-être une genre d'obsession d'essayer de contrôler le public puis ça pourrait faire l'effet d'Echo room puis il faudrait que je fasse attention à ça. Hey, un show auquel j'aimerais beaucoup de voir jouer pour de vrai, c'est le Snowflakes Comedy Club. Je, en fait, je suis curieux de. Du concept. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je tu sais que c'était un, un safe space, oui. mais c'est un safe space pour le public plus que pour l'artiste. Euh, J'ai le goût de dire que oui. L'affaire, en fait, moi, moi j'adore jouer là. En fait, ils m'invitent vraiment fréquemment. Ils payent 50$ aussi pour 10 minutes de rodage aussi, ce que j'apprécie parce que je ne veux pas toutes les mettre dans le même panier, mais il y a beaucoup de soirées, dites comme Brandy, comme de gauche, qui, je trouve, utilisent un peu ça comme excuse pour très mal payer leur artiste. Et ça, ça me dérange. Et euh, c'est ça, mais genre le snowflake c'est vraiment le fun. Puis j'ai réalisé que pas quel numéro en fait rend super fort, c'est au contraire un public qui a vraiment une ouverture d'esprit de fou. Mais qu'est-ce qui fait qu'un numéro est bon pour le snowflake chaud euh, Essentiellement, faut que ce soit drôle. Point barre. C'est juste que si tu dis quelque chose qui est excessivement problématique sans faire un solide point avec, c'est sûr qu'on va te le dire. C'est vraiment pas le genre de soirée où genre tu peux faire un call ultra sexiste puis les gens vont juste pas te regarder dans les yeux jusqu'à ce que tu partes puis tu sauras jamais que tu as fait de quoi genre. Okay. mais euh, oui et non tout le monde va te le dire puis ils se forceront jamais à rire pour une joke si elle est problématique genre c'est moi je le vois comme un public honnête puis j'apprécie beaucoup ça c'est sûr qu'il y a des affaires qui rentrent un peu ben, plus... je, je le ferai moi j'aimais beaucoup aller jouer euh, la soirée de Colin Boudrieu animé Lucam oui. puis j'ai des numéros qui passaient pas là-bas okay. qui m'ont fait poser des questions puis c'est pas des numéros mettons que du monde sont venus me chicaner par après, ou qui m'ont mmh. dit ça, t'as pas le droit de dire ça. C'est juste, ça n'a pas ri. Ça m'a ça fait poser des questions sur qui, pourquoi ça ne rit pas. Hop okay. là, je, ok, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Puis, puis honnêtement, je, je m'appelle d'un numéro en particulier qui était euh, j'ai un ami que son chat a pogné une pierre au rein. Ouais. Le, le pénis du chat était trop petit pour évacuer la pierre au rein, donc on est obligé de couper le pénis. Ça. Je parlais que mon ami avait un chat euh, transgenre mais je pas les bons termes ah ok. okay. je disais pas plus là c'est ça ok plus petit alors genre avec du monde ok c'est quoi le bon terme plus là ah, ok, ok ok. puis finalement mm. ça reste une joke de de, de, coupé, de pénis coupé de pénis coupé puis je faisais hey, je me battrais pas pour ça le bit n'était pas assez intéressant mais tu un mm. bit intéressant qui est marcher là bas aurait pu devenir bien plus intéressant puis bien plus efficace puis tu sais je veux pas euh, arriver sur ce type de débat là mais tu sais y en a qui disent on peut plus rien dire c'est pas vrai hein? qu'on peut plus rien dire non D'sais, fuck all puis mais je trouve qu'il y a beaucoup de. Euh, le monde monte aux barricades rapidement, oui. alors que juste ne pas rire fait la job oui. de. L'humoriste va travailler parce qu'on est juste des putes à rire qui veulent oui. avoir des rires. Là. Oui, absolument. C'est. Ah, euh... oh, Seigneur. C'est drôle en plus parce que j'ai réalisé ça que Christelle Paris, la, la chercheuse que, que j'aime beaucoup, je pense qu'on est. Je l'adore. Ah, elle est excellente. C'est... Elle n'est pas encore trop occupée. Elle a dit oui, il y a trop d'affaires cette année, euh, dont être une mère. Mais <laughs> c'est euh, je hâte de la recevoir en fait, dans le cadre de ce podcast-là aussi, parce qu'elle en a des choses à dire sur l'humour. Puis quelque chose qu'elle me disait que je trouvais super intéressant, c'était le principe que ce n'est plus, plus une question qu'on n'a pas le droit de rien dire, c'est une question qui est juste de plus un moyen de se faire dire que ce n'était pas drôle. Puis, moi, au contraire, je trouve ça super simple parce que remise en question est My Jam. Je trouve que c'est genre une partie intégrante de l'autoproduction et de la gestion d'une carrière en général, de tout le temps se remettre en question. Tu sais, genre, tu peux pas juste établir, tu as un public puis tu décides de vieillir avec lui. Oui, tu vas être capable d'en vivre. Mais maintenant, ça va faire 20 ans que tu n'as rien créé, même si tu étais sur scène un jour sur deux à tous les soirs. ça, c'est pas clair, genre. Mais quelque chose que euh, on y avait pensé ensemble, j'avais trouvé ça super le fun. C'est, te tu souviens-tu quand Martin Matt a mis son fatso pour Maxi, genre? Ouais. Moi, j'étais fasciné, mais vraiment fasciné par la réaction de ça. Parce que autant que. Je comprends pas que la joke ait eu lieu parce que c'était pas très drôle. Non. Que deuxièmement, j'ai vu du monde littéralement aller au batte pour défendre une épicerie. Moi, moi j'étais fasciné de ce moment-là. Puis c'était en même temps que le Black Lives Matter. Puis il y a du monde qui ne faisait comme pas de statut sur genre les gens qui meurent tués vers la police. Mais ils ont été capables d'aller au battre. Puis vraiment mettre leur réputation en jeu pour défendre la place qui vend de la bouffe. qui tu pas besoin de ton aide Maurice de la relève. Genre. Et j'ai réalisé que ça c'était vraiment lié au fait qu'on a une espèce de syndrome post-traumatique par empathie à quand une joke ne rentre pas. Peut-être, ouais, peut-être c'est ça, l'espèce de comme Ben là, le CCC du Charles a essayé d'être drôle. Ou juste qu'il y a non, c'est une annonce, c'est fini. Genre, mais comme c'est fou à quel point ça nous affecte, genre comme si même pas nous, c'est pas comme si Martin et Matt avait besoin de se faire défendre pour une. Il y a assez de jokes qui rentrent, Martin et Matt, là, genre comme il en, il en manque pas d'envie, pis tout le monde a été payé, le perchiste a été payé pour ce tournage-là, genre tout le monde qui avait besoin d'argent a eu son argent en ce Là, j'étais fascinant que le bon monde fâché, juste fait, ouais mais C'est fou à quel point on le prend pas quand les gens reconnaissent pas ce qu'on a dit comme drôle. Fait que, bref, ce que t'as dit que juste. Ne pas rire, c'est suffisant. Ne pas rire, c'est déjà la pire affaire. C'est déjà genre comme je pourrais pas expliquer genre moi c'est ce que j'ai à tout le monde qui hey, je j'étais un peu jaloux de ce qui t'arrive en ce moment dans l'humour tu bah, es smart, mais tu sais pas c'est quoi mais tu sais pas c'est quoi mourir <laughs> en dedans quand une ne marche pas là ça fait tellement mal Et hey, j'en euh, profite pour virer vers ça en fait j'aime beaucoup jaser en passant c'est le fun ça va dans, dans tous les sens mais euh, je vais te parler un peu de la tournée si tu oui. veux bien euh, ben, c'est ça la tournée en fait ça a été différents segments euh, j'ai mêlé un peu euh, par exemple Ciné Nacho on a fait un spectacle sur The Office à Sherbrooke puis le but en fait c'était de vendre nos faces que personne connaissait avec un thème que les gens connaissaient pour vendre nos propres par la suite. Finalement, on n'a pas pu, pour des raisons de, de COVID, puis de fatigue, puis un paquet d'affaires, que c'est ça. Mais on est tous partis, en fait, pendant quatre jours dans le nord. On a fait un show à Québec, on a fait un show au sea Shack en Gaspésie. Euh, ça, d'ailleurs, j'ai un beau petit projet qui, qui s'en vient pour ça, tu, tu viendras c'est malade. Et euh, on a fait un show à témiscouata sur le lac, puis on a fait un show à Rivière du Loup. Puis, il y a tellement quelque chose de... J'ai pensé à toi à ce moment-là, c'était euh, le sea Shack était euh, le meilleur show de toute nos carrières. Okay. Pour de vrai. Il s'est passé quelque chose là-bas qui est magique. C'est quoi la grosseur de la salle C'est extérieur pour commencer. C'est vraiment en face du fleuve qui a l'air de la mer parce que c'est la Gaspésie. Euh, c'est 150 personnes à peu près. Euh, c'est euh, gratuit parce que c'est essentiellement les gens payent pour dormir là puis il y a des shows à tous les soirs. Eux ont des subventions. C'était très bien payé aussi en fait. fait que okay. On avait des cachets assurés, de la bouffe, des bières. Euh, puis Tout le monde était là pour le fun puis personne n'avait payé. Fait il y avoir un public de toute façon, pas de stress de pré -vente. et des gens tellement d'être là. C'est très drôle, ça. Je le <laughs> Il y a quelqu'un de l'équipe qui est tanné que je le dise, mais on, on était tous en couple, en fait, là-bas. Fait qu'on on était tous monogames aussi, mais on s'est fait proposer tellement de rapports sexuels <laughs> Charles Beauchesne. Ch Charles Deschamps, excuse-moi. C'est, c'est, c'est. Ah, Seigneur, Seigneur. Non, non, mais c'était une vraie joke. J'ai dit ça à ma blonde, en fait. Genre, c'est la première fois que j'y ai dit. J'ai comme fait. Euh, J'ai refusé un threesome. somme euh, Je t'aime. <laughs> Je pense, pense qu'on qu habite belle ensemble. C'est un preuve d'amour. Ouais, ben la France, est les draps, elle dit vraiment ça. Genre, j'ai refusé un tweet sub, je t'aime. Je pense que j'aimerais ça qu'on habite ensemble l'année prochaine. Oh. Ça fait six ans qu'on est ensemble, ça a juste fait genre. Ça ben, six ans, vous n'avez pas encore ensemble. Ouais, ouais, exactement. On adore notre espace. En fait, si on habite ensemble, ça va être dans une maison avec deux étages. Genre, si on se chicane, il peut y avoir littéralement du bois entre nous deux. Genre, fait que c'est. Non, ce ça, on est un peu sur le bord aussi de vouloir vivre dans le bois aussi. je passe mon permis cette année. En tout cas, bref, ça n'a pas rapport avec l'autoproduction, mais c'est ça pareil. Mais bref, show extraordinaire, vraiment un code. On était supposé faire 20 minutes. Le show que tu as le plus aimé dans la tournée, c'est le show que tu n'as pas produit. Oui, euh, ouais, effectivement. Mais ça, c'est une autre affaire. En fait, on pourrait en parler. Ça, on va y revenir plus tard, en fait, si tu le veux bien. Mais le concept de porter trop de chapeaux, ironiquement. Euh, peut faire ça peut affecter ta performance sur scène quand tu es et le gars de la porte et l'animateur et le producteur et le ouais. gars qui joue à la prévente et le photographe ça se peut que ce soit pas mm -hmm. ouais, toi sur scène mais moi ce qui m'a fasciné en ce show là c'est que c'était tellement le fun c'était on était supposé faire 20 minutes on en a fait 35 chaque avec les rires finalement ça finissait plus moment donné le soleil s'est couché fait qu'on a comme amené le pick-up à l'hippicor pour comme on a mis les lumières assez hautes pour éclairer le stage c'était beau c'était redneck ça valait la peine puis en partant de là on a juste fait il n'y a pas un show duré de la tournée qui va à côté ça. Et c'était vrai. C'est ça qui était fascinant. C'est ça, en fait, qui fait un peu la différence avec ce documentaire-là, puis peut-être les autres, c'est qu'on n'a pas vraiment de fin heureuse. Nous, notre fin heureuse arrive en plein milieu du périple. C'est ça qui ah, est C'est ben cool. vraiment fucked up parce que par la suite, c'est toi qui m'avais dit ça à m'amener le principe que tu joues devant 800 personnes. Fucking le fun, t'as un standing, c'est extraordinaire. Et après ça, tu reviens chez toi, il faut quand même que tu tes vidanges. Ah ouais, c'est dangereux pour la santé mentale, ce métier-là. Ça n'a aucun, ça, ça aucun sens. Mon objectif de l'année prochaine, c'est de prendre mes vacances pour de vrai. Mais c'est. Moi, c'était fou. Là. Puis, Rivière du Loup. Hey, Rivière du Loup, même. Euh, ça aussi, c'est un show qu'on ne produisait pas. Les meilleurs cachets qu'on a eu de toute la tournée, on était vraiment bien reçus. On avait un plateau de fraises dans le chocolat, dans le buffet, ça n'a pas de sens, C'était organisé par l'association étudiante de Rivière du Loup, qui ont été excellents. On les salue, c'était très le fun. Euh, mais on arrive. Trois heures avant le show, puis dans le char, je vois la fille à qui j'ai parlé sur Zoom qui est en train de mettre les posters sur murs. Wow. Il n'y a aucune promo qui avait été faite pour le spectacle, genre jamais. Là, on était voir sur leur page, il y avait un post pour l'événement Facebook qui avait été fait 17 jours avant le spectacle. Pas de lien pour la pré vente absolument rien. Et euh, c'est la. Je ne sais pas si tu as déjà joué là, mais c'était la grande salle de Rivière du Loup, là. OK, fait il fallait que ça se remplisse. 1000 places avec 21 humains dedans. Il y avait 21 personnes au show. Wow. Et ça, ça, c'est le dernier show. Ça, c'était la fin wow. heureuse. C'était extraordinaire. Mais pour vrai, il a fallu rallier les troupes pour dire genre Hey guys, dans un bar, 21 c'est le fun. On est dans un bar. On, a, on, on est payé, on a de la bouffe, c'est le dernier show on rentre chez nous, ça a été rentable. On peut payer notre loyer ce mois-ci. Genre comme je m'encore liste de votre ego. Genre comme c'est pas grave qu'il y a 21 personnes, on n'est pas connu, c'est le brand qu'on a fait. Mais c'était vraiment un bon moment de tournée autoproduite, de genre, comme, techniquement, c'est pas une mauvaise soirée, mais ceci ne fait aucun sens. Ça, non, ça fait mal en dedans. <laughs> T'as-tu déjà vécu quelque chose comme Moi, ça? Moi, j'ai versé une larme durant, euh, le, le, durant le COVID, là. Mm -hmm. J'étais allé faire euh, un corpo euh, sur Zoom à la Place des Arts, OK. Fait que le, le, le setup à Louis Morissette là l'espace le, le le là. Ouais, fait que sais, comme l'espèce de petit gars qui rêvait de faire un jour un gala pourrais qui ah, rêvait es, de faire T'es un de ceux là. Fuck. Fait que ma première place des arts, ben en fait, c'était pas un gala, c'était un corpo. Ouais. Puis mais c'est la première fois que je monte sur la place des arts dans la grande salle, la place que mm -hmm. il paraît qu'ils vont des chants tellement fait souvent que j'en ses pieds, il y avait une trace de pied qui est ancrée. Moi je suis là et la salle est fucking vide, puis j'ose à du monde qui ont comp un restaurant de poulet. Puis comme il y avait tellement de niveaux de comme oh, c'est même... ça ma première place des arts je suis euh, sincèrement désolé <laughs> c'est ben, c'est ça la vie du Maurice là puis hein? euh, j'ai eu du poulet après j'étais content pis, oui oui absolument c'est c'est euh, crise de bonne viande mais hey, c'est fou il y a des me... moments de même dans ta carrière où tu fais comme c'est weird c'est ben, j'ai le goût qu'on m'aigre vers ça en fait parce que en fait encore une fois, tu ne te pas les fleurs en termes d'influence que tu as eue, parce que je pense que tu un bon vulgarisateur aussi. Il n'y a pas tout ce que je veux dire que tu es le seul qui l'a fait nécessairement, mais tu une vision euh, moins romantique que le commun des mortels de l'humour, j'ai l'impression. Puis moi, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Je suis très pragmatique, je pense, dans, dans la vie. Là. Mm -hmm. c est, c est... Mais tu sais, tu en as... as. un peu théorisé le concept d'en faire un métier, ta job. Puis tu un contrôle là-dessus aussi que je trouve qui est quand même intense. Je pensais à ça en venant ici, puis j'ai réalisé que tu L'aspect gestion de ta carrière est beaucoup plus privé que d'autres humoristes. T'sais, mettons le principe que Mike Ward puis Michel Grenier gérant artiste c'est quelque chose de connu. Mm -hmm. Moi j'ai aucune idée c'est qui ton gérant, je sais même pas si c'est un euh, Julie Lacroix. OK, OK, qui? est, qui cool. est la gérante aussi à Philroy Simon Waver puis Chris Perry. OK, OK, qui est très cool, belle gagne, belle Mais comme tu es très privé, j'ai l'impression que tu un grand contrôle aussi sur ce que tu décides de faire. En ce moment, tu es dans une tournée qui est autoproduite. Si euh, je en fait, c'est un peu compliqué. Moi, je capte mon show la semaine, dans, au mois de décembre. OK. Fait que je j'ai booké deux fois une salle pour le faire, me le remettre en bouche, le capter. Mm -hmm. J'étais supposé le faire avant le Mexique, mais bref, c'était une longue histoire. Puis, euh, je suis déjà en train de booker la deuxième tournée. OK. Puis, euh, en attend, dans le sens que les dates vont être prêtes pour que quand la captation va sortir, pas... Mais tout ça est réfléchi d'avance quand que le show est même pas fini d'écrire. Ah, oh mon Dieu! Puis j'ai déjà l'affiche, le titre, puis le titre, c'est un titre de comme... Je pense que je vais parler de ça, mais j'ai aucune carlise Dans le fond, je vais vraiment parler, là. Ben, c'est facile à changer un titre dans le pire des cas, mais ouais. c est, c est, je trouve ça quand même fascinant. c'est toi qui gères tout ça? Tu la beaucoup toi-même ou tu as une équipe derrière toi? Euh, mettons, euh, je la planifie moi-même, mais c'est Julie que je... OK, j'aimerais ça aller euh, Terrebonne, Québec, Sherbrooke, telle place, telle place, place. Euh, « Mais À Québec, tu trouves pas un peu cher, mettons, cette salle-là. Je suis comme oui, mais parce que la dernière fois, on l'a fait à tel ça. Fait que le monde qui habite déjà autour de cette salle-là me voit. J'ai de l'air à cette barre-là avant, sans faire de la promo. Tu sais, comme, je, je, je planifie l'affaire avec elle. OK. Puis, ben, c'est elle qui fait le, 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 comment dire, la, la paperasse. Puis, elle a de très bons conseils. Puis, euh, meilleure personne qui travaille avec, c'est euh, Julie Lacroix. Génial, génial. Bien, engagez-la, les chums. Si elle a le temps. Elle euh, n'a ah, pas beaucoup de temps. <laughs> non, ben c'est ça. Je pense que je l'ai rajouté. Oui. Ça fait que c'est impossible, c'est sûr, ça se peut pas. Mais j'en euh, profite de te poser la question parce que est, ça en est comme un brag. C'est rare que je rencontre des gens plus occupés que moi. <laughs> T'as encore un certain niveau de stress par rapport à ces dates-là, par rapport à l'organisation d'une tournée? Euh, non. Sérieux? Ben, parce que je, je fais d'autres affaires plus stressantes en même temps. OK. que je peux pas <laughs> parler là. Fait que ça c'est comme pas tant stressant. Ça sonne pas sain, mais je suis quand même content pour toi, Pour des raisons pas claires. Genre, c'est. C'est parce que faut fais autre chose d'encore plus dommageable. Fait que je le sens pas. Mais on... c'est pour ça que je dis que c'est super dangereux, ce métier-là, parce que on dirait que tu deviens immuniser au stress oui. et au plaisir. Ouais. Fait que si mettons un, un, un show le fun, mettons Les premières fois que j'ai joué à Labrevoir, je me rappelais de mon texte, puis pour moi, c'était le soir de fête, J'étais oui. heureux. Là, je pourrais avoir un standing, j'étais comme Ah si j'ai marché mon mot à telle minute. Fait que mais au niveau stress aussi, j'ai une capacité d'emmagasiner le stress qui est pas saine. Ouais. Dans le sens que, tu sais, le monde son dernière minute, genre, je vais faire mon ça. Moi, je vais prendre des, 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 des contrats, je vais prendre des affaires, me dire, je vais être capable de gérer ce stress-là, je vais être capable de gérer ce stress-là. Mm -hmm. là, quand qui arrive les deadlines, je suis comme, c'est pas normal que j'aille à faire tout ça, puis que je me suis dit, je vais être capable de le gérer. Puis, fait que là, quand j'arrive stressé, c'est que ça a plus rapport la montagne de choses que j'ai à régler. Non, ouais. ouais, je comprends. C'est. Dans une certaine mesure, j'aspire à être comme toi, étrangement, mais c'est... Moi, je pense que j'ai encore un peu de stress, mais je comprends ce que tu veux dire, parce que j'ai énormément de stress, puis un conseil que je donne à tout le monde, parce que beaucoup de gens veulent partir des soirées. En fait, tout le monde veut partir des soirées, mais finalement, tout le monde choke une fois devant leur pré-vente, quand tu seras dû avoir l'espèce de rapport de jeu compulsif avec le site Le Point de Vente, en checkant, mettons, refresh aux deux secondes, si ça s'est vendu ou pas. Puis, en fait, genre, tu t'habitues à un moment et puis moi, je pense que non. C'est juste qu'un madenne, tu en as vu d'autres. C'est ça. Euh... Mais euh, moi, le, le meilleur conseil de mon. C'était un peu un conseil. À moi, j'étais vraiment stressé dans ma vie. J'étais à l'école, euh, j'étudiais le mandarin à l'université. Je travaillais au Diable Vert, j'ai passé de barman à gérant. Puis c'était stressant. J'avais 22 ans, à un moment de gérer un club qui marche mm -hmm. avec euh, des barmanes qui ont des égaux. Je travaillais avec mon frère, la blonde de mon frère. C'était comme compliqué d'avoir un leadership dans cette gang-là. Puis je parlais avec mon père. Puis il voyait là j'étais crispé de stress. Puis mon père me dit Charles, c'est juste un bar. Ouais. Pis là, je fais, Chris, il y a 23 raisons. Puis, juste, le. le Puis, regarde, je vais te dire de quoi qui va t'enlever tout le stress et tes épaules, là, de, par rapport à le mot. Mettons-le, travailler pour devenir le plus grand humoriste au Québec, là, le plus drôle, là, le, une coche au-dessus de Louis-José martin Marche Mike, peu importe Bellefeuille, une coche au-dessus de ça, c'est l'équivalent d'être le plus drôle d'un quartier de Hong Kong. Ouais. C'est fuck-all. Vendre ouais. 300 000 billets ou en vendre 300, ça change à rien dans l'histoire de l'humanité. Fait que, à un moment, je pense qu'il faut. On est des poussières dans l'univers là. Il n'y a ben rien oui, de oui, grave. Absolument. Là. Je veux dire, on est des stars québécoises là. Genre comme c'est, c'est vraiment pas contre le Québec ou rien, mais c'est juste le fait de. C'est correct qu'on se souvienne pas de nous après notre mort. C'est, au final le but d'avoir été bien. Puis il, y a, enfin, il y a du monde à l'école de l'amour que je nommerai pas, qui ne savait pas c'était qui ils vont des chants. Tu sais, à un moment donné, des, des, du monde qui étudie là-dedans, qui ne savent pas c'est qui. Fait, ton show autoproduit dans un bar, là, que, mettons comme moi, mettons à Terrebonne, on sent ouais. contre tu le cul. Là. Non, non, je sais bien. Puis après ça, c est, c est, la ligne est tellement mince entre l'ego et la prétention dont tu as besoin pour faire ce métier-là. Sinon, on serait tous comptables chez H&R Block. Ce serait une fun boire par contre. Les impôts seraient têtes. Mais, <laughs> mais je, je sais pas, il y a... Y a il y, a une notion, il y a une notion de survie qui, étrangement, j'ai pu, en fait, ces temps-ci, que je trouve fascinante, mais c'est quelque chose que j'ai tout le temps défendu un peu avec l'autoproduction, parce que moi, c'est à cause de l'autoproduction que j'ai été capable d'en vivre. T'sais. Moi, c'était juste le fait, euh, encore une fois, j'arrête pas de te citer, Charles, mais comme tu, tu m'avais dit, je t'avais demandé un il y a t quelque chose de dommageable pour mon nom en tant qu'humoriste si je continue d'organiser des soirées d'humour pour jouer chaque semaine? Puis tu m'avais dit, continue de le faire jusqu'à ce que tu ailles pu à le faire. T'sais, le but c'est de jouer quatre fois par semaine puis c'est quatre fois que j'ai organisé ben, j'ai quand même joué quatre fois alors que quelqu'un d'autre du même niveau que moi n'a pas joué quatre fois puis c'est une avance mmh. que je prends T'sais, on s'en fout de ce que les gens pensent que Vincent il organise effectivement Oui, mais Vincent il joue Vincent il rencontre du monde genre pis ça se fait ça m'a permis concrètement genre de ce que j'appelle la loi du 1200 pièces de respecter ça 1200 pièces je que c'est ce que j'avais besoin pour vivre okay. par mois pas pour survivre, pour vivre. J'ai besoin de 900$ pour survivre, puis 1200$ pour vivre. Ça, ça inclut des bières louer des films. Je suis une personne. Tu loues encore des films? Ça m'arrive, ça m'arrive. Il y a deux clubs vidéo à Montréal, puis je suis abonné au euh, Sur Mont Royal. Sur, puis... sur Mont Royal, il puis... y en a un dans HAG okay. qui est aussi un café. La section est de plus en plus petite. Ils ont trois VHS. En tout cas, bref, C'est pas un podcast là-dessus. Mais c'est. Euh... Ouais, non, je, je suis fan. J'ai 1700. De... J'ai 1752 VHS chez nous aussi. J'ai un, un problème, même. Pas... Ouais, t'as vraiment un problème, là. Ouais, non, je sais, mais c'est. Tout ça assez... rentre sur un disque dur. Mais hum. comme j'ai gagné le droit de faire le métier que je voulais faire. Puis quand je travaillais euh, au Apple Store, je me souviens je comprenais pas comment j'allais faire pour arriver avec l'argent de l'humour. Et après ça j'ai réalisé ben quand tu aimes ta job, tu dépenses 200 pièces de moins par semaine en boisson. Et therefore tu arrives. Mm -hmm. <laughs> puis c'est le fun comme sentiment, puis c'est beaucoup de gratification, tu sais, genre tu parlais du fait la première fois que tu fais la c'est le party, tu connais ton texte, c'est super le fun, mais la première fois que tu payes ton loyer avec l'humour, c'est aussi c'est le fun. Ça aussi c'est comme hey, ça s'en va quelque part. C'était pas complètement con ces cinq dernières années, ultra absurdes. C'est bien le fun. Et. Euh, Excuse-moi, j'avais je, je, pas de questions par rapport à ça. Je me suis juste ouvert à toi parce que tu responsable aussi en partie, parce qu'une fois tu m'as parlé d'un parti. Mais euh, je sais pas si on le dit devant ou derrière la caméra, mais, mais Charles, c'est celui qui, qui m'a aiguillé sur comment commencer l'humour. Euh, Et je me rappelle aucunement de ce que je t'ai dit ce soir là Ah, c'est probablement quelque chose que tu as répétais souvent. Guillaume Pinot a fait de la même affaire un moment donné aussi pour moi. Genre, mais comme. J'en faisais un peu à ce moment-là. Par contre, c'était ça mais euh, non tu m'as juste dit essentiellement en cours du soir c'est pas payé essaye, puis tu vas le savoir si t'aimes ça ou t'aimes pas ça puis c'est vrai Dis oui à toutes les shows j'en avais un ou trois mois back in the days pis... c'est tough au début le booking là ouais, je suis triste pour les nouveaux qui connaissent plus ce gars là mais moi mon deuxième show, c'était Stéphane Redwater ah mon dieu il me demande ce qu'il est rendu oui. il est plus euh, je, je sais pas il y avait comme six métiers je sais plus lesquels qui pratiquent encore là. il était croupier au casino dans le temps des magiciens euh, son vrai nom, c'était Stéphane Rougeau. Fait Redwater. Ah, j'ai viens de le comprendre. Oui, c'est ça. Vous pouvez partir ah, d'arrière à la fin. drôle sais. ou triste? Ah, moi, j'adore ça. Stéphane Redwater, je suis encore tellement fan de ce gars-là. Là. Pour vrai, c'est probablement l'humoriste que je cite le plus dans la vie parce que je suis une mauvaise personne. Ah, oh, je... il pas très drôle. Oui, je sais, mais c'était marquant. C'était un que, personnage. Mais moi, ce que j'aimais de cette époque-là, c'est que c'était les soirées qui avaient lieu au bistrot de Paris. Pour, oui. euh, pour les gens qui ne font pas de cocaïne sur une base régulière, c'est la J'adore le bistrot de Paris pour deux raisons. Un, c'est la pire place pour faire des choses, fait que tu apprends ton métier. Puis ouais. c'est marqué bistrot de Paris euh, à l'horizontale et à la verticale. Ouais. Un, bistrot avec un thé, l'autre, bistrot avec pas de thé. Ben non. Ça, ils ont deux affiches, les deux sont pas écrits pareil. Oh my je, je ben, génial. C'est extraordinaire. Il hey, faut que j'y retourne. Il y a des nuits de la poésie là-bas. Ça, ouais? ça se passe jamais bien. Mais c'est. <laughs> sûr que non, c'est un bord à machine, là. Mais moi, ce que j'aimais de cet endroit-là, c'est que pour beaucoup de monde à l'époque, dans le temps que les open mics n'existaient pas, c'était le deuxième spectacle, celui-là. Fait que tu faisais le premier, c'était tout le temps les cours de soir. T'avais ouais. Mario Bélanger qui animait, c'était Funny Bonnet, il y avait tes parents qui étaient là. Fait n'allaient pas te détruire l'ego en riant complètement pas. Puis après ça, tu avais tout le temps Stéphane qui venait voir ces shows-là et qui contactait tout le monde parce qu'il n'y avait pas à nous payer. Fait qu'on se ramassait au Bistrot de Paris comme deuxième show. Personnerie, c'est problématique. Le monde veut se battre. Tu des deals de coke qui se font en arrière. Puis si tu survis à ça et tu as encore le goût de faire des shows après, ben peut-être que tu vas en faire un métier. Ouais. Euh, J'aimerais savoir ce qu'on parle d'autoproduction dans yep. le concret. Euh, ça a-tu été une grande partie de ta carrière? Moi en fait j'ai commencé par produire après ça faire des shows. Je me suis perdu un peu là-dedans de comme le téléphone sonnait beaucoup pour que je produise, mm -hmm. un peu moins comme humoriste au début. Puis euh, que je me suis un peu perdu là-dedans, mais euh, ça a été des, 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 la meilleure chose. Ça a été des skills qui m'ont été utiles dans ma vie totalement. Autant pour le jockey que le bordel que euh, pour produire mes shows que pour euh, avoir un esprit marketing, à, tr trouver une solution, pour me démarder, trouver une comme Je mm -hmm. suis content d'avoir développé ces skills-là. Absolument. Euh, oui, ouais, effectivement. C'est-tu quelque chose qui te sert encore aujourd'hui? Ou en fait, plus précisément, ça va être une longue question, on va faire un point avec ça, je te le promets. C'est-tu des skills que tu as acquis dans l'optique petit moment donné, tu voulais ne plus avoir à les utiliser? Ou au contraire, c'est quelque chose qui va tout le temps te suivre pendant ta carrière? Mais moi, en fait, je pense que l'humour est, est brisé. Là. Okay. Euh, dans le sens que... J'ai jamais rien dit d'aussi immo depuis le début du documentaire. <laughs> non, mais dans le sens que pour moi, il y a un non-sens dans le one-man show le moins cher quelqu'un quelqu'un relève, c'est quoi? C'est 40-45$ le billet? Ouais. Ça n'a ça aucun sens, c'est bien trop cher. Pour moi, l'humo, c'est un, quelqu'un qui parle dans un micro. Ouais. C'est supposé être... C'est un art populaire, C'est un art du peuple, selon moi. Pis, mais le, le système fait que tu n'as pas le choix de mettre tes billets plus chers parce que la, la, les grandes salles font affaire avec que des producteurs, parce que les producteurs mettent des shotguns sur les salles. Fait que les producteurs besoin de payer ça, ça, ça. Fait que là, le prix du billet vient augmenter. Mais là, c'est. Il faut que tu en vendes beaucoup de ce billet-là. Fait que là, tu mets de l'argent en pub. Fait que ça augmente un peu le prix du billet, mais tu vas en vendre plus plus. C'est comme. Il y a trop. Tu des. La vérité là, de ce que j'entends dire, euh, c'est qu'une tournée en bas de 50 000 billets, hein? l'artiste fait minimum UDA. Hein? Fait 200 par show plus euh, ses droits d'auteur. Fait que Ça n'a aucun sens. Il y a, que... il y a, tout le monde prend un peu d'argent. puis Finalement, le, le public paye 45 50 60 pour que finalement le gars qui est sur scène, qui a mis son cœur, son âme là-dessus, fasse du 200-300 par show. C'est incroyable. Tandis que tu es un humoriste qui vend les billets 20 ou même 25 dans un bar. Je suis à l'aise avec ces prix-là. Même 30 dans un bar, je suis à l'aise avec ce prix-là. Tu, euh, mettons, une salle de 100 places, 20$ de billet, c'est 2000 Ta salle t'a coûté 500, 150$ une première partie, hein? euh, 150$ de promo. Euh, rajoute des 100$, il te reste 1000$ oui. Tu sais, euh, oui. puis, mettons-le, mon rêve, mon envie, ce serait d'être juste assez connu pour faire mon une heure, une fois par semaine dans une salle de 100 personnes, c'est 5000 billets par année. C'est fou. Puis, je serais 52 000 juste avec ce projet-là. C'est incroyable. Une journée par semaine. Ça. Une journée par semaine, tu fais 52 000 par année. Ça serait moi, je serais bien à l'aise avec cette vie-là. C'est malade. Mais c est, c est il y a un, le monde, ils ne connaissent pas l'humour de bar vont dans les salles de spectacle. Puis, tu sais, le monde travaille beaucoup, le monde est stressé. c'est je, je le comprends. C'est un stress de moins. OK, ben c'est dans une grande salle, donc le spectacle doit être bon. Ça ne me dérange pas de payer 50 mm -hmm. à la place d'aller au Poutine Bar à Laval, payer 20 que tu. On est-tu même assis? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme, il y a comme un sentiment de sécurité qui est offert dans ces grandes salles-là. Oui. Le monde sont comme j'ai une soirée de libre, ça va être ma dette avec ma blonde, ça va nous déstresser. Tu sais, comme, je le comprends que le monde investisse de l'argent, mais c'est hein? trop cher. C'est oui. trop cher. Puis je ne suis pas à l'aise avec ça. Fait, je pense que mes tournées dans la vie à moins de je sais pas quoi, que je trouve une manière de crosser le système, que les bières tournent à moins cher. Mm -hmm. Je vais rester dans les bars et les petites salles dans l'autoproduction. Euh, je te mon Dieu, je te comprends parfaitement. C'est plein d'exemples à donner, mais je trouve que tu le résumes assez bien. Là, fait j'ai assez fait de longues phrases, mais hey, je vais aller vers là directement. Euh, Mouillons-nous, Il euh, y a, a quelqu'un, je dirais pas son nom par contre, ou je te dirais peut-être après si tu veux, mais comme il y a, a quelqu'un qui j'ai demandé de faire le documentaire, il ouais. a, a, a refusé, très poliment. Il a refusé parce que il m'a dit que l'autoproduction, puis je cite, là, est un sujet tabou dans l'industrie, qui est mal vu et il a peur de se faire des ennemis. En en parlant ouvertement. <laughs> euh, je pense que il y, y a un million de niveaux à ça là. <laughs> Est-ce que c'est tabou Non. Je pense que le monde euh, le voit un peu comme l'espèce de euh, pour les humoristes pas connus, c'est pour les humoristes qui fonctionnent pas. Mais tu sais, euh, Judi Stamp a produit sa première tournée puis est rentré dans les grandes salles puis. Ouais. Euh, ça a super bien été. Ouais. C'est un, une exception aussi à la règle dans les dans, dans domaines. Là. Bien, Mathieu Dufour, aussi, Pébé Rivard, dans une certaine mesure, aussi, sa tournée autoproduite de genre donation volontaire qui, qui a été un franc succès aussi. Charles Beauchamp et La Peste Noire pendant très longtemps. Je fait mes petites recherches aussi. Là. Je ne voulais pas te couper, mm -hmm. mais tu sais, c'est. En fait, c'est juste parce que tu en as parlé, c'est quelque chose qui me fascine un peu. J'ai l'impression que c'est mal vu, mais c'est mal vu au sein de la production plus traditionnelle. J'ai l'impression que les gens sont habitués à faire ben trop d'argent. Puis ça j'en parle à des anciens organisateurs de soirées du monde genre tu faisais une soirée du monde début des années 2000 à Montréal tu te sortais 1500 pièces nettes juste dans tes poches à toutes les de semaines. genre comme juste avec une soirée ça faisait pas de sens quelle soirée du monde à Montréal quand même ben Guy dernier on a parlé par exemple euh, c'est les soirées qu'il organisait en fait dans le temps c'était tout le temps plein, c'était une centaine de personnes il payait 15 l'entrée lui il écrivait pas ses animes il improvisait essentiellement genre puis c'est ça il rentrait comme un ben trop d'argent euh, rendu là on peut aussi parler de j'oublie le nom là, mais c'est euh, la soirée que de Jessicay a tué, mais c'est une soirée mmh. mythique, tout le monde l'animait animé. Ah, Saint-Lazare. Saint-Lazare, exactement. Saint-Lazare, c'était 500 animés, euh, 400 de l'année, 125, 125. Mais en fait, le producteur cas, faisait de l'argent. Il faisait du cash en modine de BIM. C'est ça, c'est que le producteur, les producteurs avec les salles, j'ai assez organisé de shows pour savoir, genre comme oui, il y a des cachets UDE, il y a des cachets Sartec à respecter, il y a des cachets artistes, il y a pas qu'à faire. Mais quand même, pour remplir le Saint-Denis, puis le 50 000 que ça rend par rapport au prix du billet. Il y a un investissement d'à peu près 4 000 pour produire le spectacle, incluant souvent payer Genre, Puis Ça, je trouve que c'est quelque chose de « weird ». J'ai l'impression que les producteurs n'aiment pas ça, l'autoproduction, parce qu'ils voient au final que c'est une possible menace, qu'il y, y a bien des maillons dans la chaîne qui ne sont pas nécessaires. C'est juste comme « ben oui, tabarnak, rendu là ». Je ne suis même pas connu, ça fait même pas longtemps que j'en fais, mais j'ai un réseau partout à travers le Québec de salles que je sais qui ne me coûte rien t'as rien pendant tout avec un tech inclus puis je trouve quelqu'un de la place pour faire la porte pour 35 pièces puis ça c'est ma dépense mais je pense que euh, y, les producteurs je comprends qu'ils voient ça comme une menace mais mm -hmm. pas tant okay. parce qu'il il y a toute une espèce de euh, le one man show est pas tant important pour un humoriste maintenant je n'aimerais pas non nom mais un humoriste comme je le dis à 50 000 billets mm -hmm. qu'il est payé sur, euh, minimum de il s'encolle un peu parce que euh, tu vas faire de la radio pour annoncer ton show, tu vas faire de la TV pour annoncer ton show, tu vas aller à tout le monde en parle. Fait que là, mm -hmm. ta valeur en corpo c'est rendu, tu ne charges pas 1000$ pour une heure, tu charges 10 000 pour une heure. Mm -hmm. Puis là, après ça, à cause que tu as, as lancé ton one-man show, tu as vu des entrevues à TV, on va te donner un show TV. Ouais. Là, as ton show TV, finalement, ton show de 50 000 billets va peut-être se rendre à un show de 150 000 billets. Ouais. C'est dans les. Après 100 000 billets que tu commences à faire du gros cash. Des millionnaires en autoproduction, il n'y en a pas. Non. Alors, il n'y en a pas, puis ça serait tough de le devenir en faisant ça. Effectivement. Fait tu sais, Je pense pas qu'ils ont peur parce qu'eux, ils, ils ont une nanan de, tu veux devenir millionnaire, viens avec nous autres. Puis mm -hmm. ils vont prendre un gars sur cinq shows, puis un sur cinq va devenir millionnaire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça a créé ce que j'appelle la classe moyenne de l'humour. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'adore. <laughs> oui, ça, je trouve ça très cool. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Mm -hmm. Puis euh, maintenant, il y a ça, il y a une classe moyenne de l'humour. Euh, sans vanter le bordel, là, ça a l'air con, mais... Euh, une de mes fiertés du bordel, c'est qu'on s'est rendu compte en deux ans, on avait donné un million de dollars en cachet. Bravo. C'est un million de dollars aux artistes, qu'il n'y a pas de code gérant là-dessus, il n'y a rien. C'est comme, ah, ben Chris, c'est un million de dollars d'investir dans les humoristes. Oui, c'est. Euh, ben écoute, je vais me permettre un mini tremolo d'envoi. Bravo, puis merci. C'est fou, C'est quelque chose que je suis très fier de. Fait, du temps de créer une classe moyenne d'humoristes. Mm -hmm. euh, avant, il y avait quoi? Chaud sa route, puis il y a peut-être 30 humoristes, puis peut-être un mmh. millionnaire ou pauvre. Là, il y a du monde qui gagne entre 30 et 150 000, mmh. qui sont zéro connus, puis qui sont heureux dans la vie. Là. Absolument. Des fois, j'y pense, en fait, puis je suis content parce que ben, par la bande, ma soirée qui est allée noire les samedis, puis va te faire. Ça marche très fait, bien, fait... pareil Oui, oui, absolument. C est, c est... Hey, ça, j'ai très hâte de faire ça avec des étudiants, mais dans le cours d'autoproduction, justement, on mise l'accent sur comment partir efficacement une soirée d'humour puis euh, dans mes invités je vais recevoir Jess Chartrand puis je veux qu'on parle du rapport entre un animateur et un producteur de soirée puis oh my god tu sais, Jess je l'ai appelé en choix numéro un, mais tu sais des fois tu appelles quelqu'un puis tu prends pour qui qui va te dire non genre mais c'est juste que je me sentirais mal pour l'avoir fait comme toi qui t'essaye à l'école de l'humour puis elle dit oui puis elle était une, elle est tellement bonne est tellement bonne, est tellement efficace, ça fait tellement que la soirée, je suis tellement content, genre, puis j'aimais beaucoup PO. Je enfin, l'adore comme personne. On a eu, euh, moi, puis PO, qui est l'ancien animateur, on a eu un, bre un break-up professionnel très simple parce que c'est juste on lui a proposé des affaires, il n'avait avait plus le temps, puis il voulait se concentrer sur où est-ce qu'il était rendu dans sa carrière, ça fait du sens, mais Jess yeah, est bonne, ça va bien la soirée, puis je, je suis content de voir ce projet-là comme évoluer en tant que producteur, je serais une grande fierté de ça. Donc, euh, mais émotion passée. Euh, J'aime le fait que des fois, il y a des gens qui, deux dessous du bordel, ils passent jouer chez nous. Puis, euh, tu sais, le bordel, je ne sais pas si c'est comme confidentiel, mais euh, je peux-tu dire combien vous payez les gens? Ou, euh, ouais moi, je suis pas à l'aise avec ça. c'est ben, 100 en fait, pour la soirée régulière. Ouais. Puis des fois, il y en a qui font les trois shows le même soir, plus notre soir. fait que ça donne, au total, un rodage à quatre reprises du même numéro, ce qui est super le fun. Puis vraiment efficace comme manière de travailler. Hein. Et 340 tu sais. fait qu'au bout du compte, tu euh, aurais fait moins d'argent à travailler chez Subway. Tu as fait la job que tu aimes. Tu le fait toute la soirée. Littéralement, c'est un chiffre. Excuse-moi un chiffre de 5 heures de comédie. Genre, moi, je trouve ouais. ça. Puis, t'en as fait une job. Tu, sais, genre, tu rentres chez toi concrètement. Puis, comme, ah non, il une autre semaine de même. Puis, mon loyer est payé. c'est téléphone le fun. C'est le fun, ça, que ce soit rendu concret. C'est quelque chose que. C'est plate que je m'ostile avec le monde très souvent. Mais, genre, moi, je trouve pas ça négatif de dire que c'est ma job, l'humour. J'aime tous les aspects de ma job. Il y en a que j'aime plus que d'autres, évidemment. Mais, genre, j'aime ça quand j'ai dit la joke qui marche. Et là, les gens rient, évidemment. Mais, j'aime ça écrire en bobette devant mon ordi aussi. J'aime un peu tout. Puis, puis en faire un métier, c'est une étape importante. C'est quelque chose. Puis c'est euh, vrai qu'il y a des bouts qu'on aime, il y a des bouts qu'on n'aime qu pas. Comme moi, je suis dans l'autopromotion, j'ais ça. ça j'ai du fun à organiser, faire de l'autoprod, mais l'autopromotion ou de la, être actif, c'est comme j'ai de la misère avec ce côté-là de, de la job, mais ça fait partie de la job, tu mm -hmm. sais. Absolument. J'ai l'impression que ça n'existait pas avant l'autoproduction. En fait, le, le principe d'en faire une job. Tu, soit tu rêvais à ton rêve soit tu vivais ton rêve ouais, c'était un ou l'autre ça existait pas le... c'est ça genre pis c'est c'est plate mais la vie c'est pas de même genre comme je veux pas je veux pas casser tous vos rêves en fait ainsi de suite genre il y a je l'ai fait le monument national bien plein aussi pis genre comme c'est fucking le fun genre pis t'es content t'es content de voir tout ce monde là t'sais, t'sais, mais au bout du compte ce que tu veux c'est vivre ce que tu veux c'est payer ton loyer puis pas regretter tes choix de carrière genre pis oui, je, je, l'autoproduction. Encore une fois, je le ramène tout le temps à ça, de genre, comme ça m'a permis de vivre au quotidien un peu mon rêve. C'est le fun. Le non, c'est une belle chose. Ça, ça, ça change la game et ça permet à une belle diversité aussi dans le paysage artistique, dans des artistes différents qui ne se fait pas dans le mainstream, dans les médias, à la radio, à la télé. Puis, que, hey, il y, a, non, il y a du monde qui a envie de voir ça dans les salle. Mm -hmm. je, euh, je vais parler au nom du public, mais en fait, euh, c'est personnel aussi. aurais tu des conseils à donner euh, en termes de carrière, en termes de. Comme Faites pas ce métier-là. <laughs> je suis rendu tellement fatigué de. Euh, uh. Non, euh, Faites-le si c'est ce que vous avez envie de faire, puis essayez d'être heureux là-dedans. Là, je vois du monde qui ont. Ils, tout le long, qui font ce métier-là, ils rêvent de plus, mm -hmm. en, mais sont déjà dans leur rêve, puis ils s'en rendent pas compte, puis là, ils veulent plus, ils veulent plus, ils veulent plus, puis sont stressés, puis sont comme ah, là, si je fais ça, je vais être plus heureux plus tard, puis ça. Fait être heureux dans tout le processus de, de l'apprentissage, et dans le faisage de ce métier-là. Oui. Puis, euh, travailler calis. Ah oui! <laughs> N'importe qui <laughs> qui travaille va finir par euh, y arriver. C'est fou ça, en plus, il euh, y a, euh, je n'aimerais pas, mais il y a des humoristes qui étaient vraiment pas d'accord avec moi, mais je vais le dire pareil. Moi, j'ai beaucoup de mal à voir l'humour comme un talent naturel point barre. Tu sais, ah, il y en a, m'excuse. Il y, y, y a des humoristes qui me gossent, là. <laughs> qui ont un talent naturel qui travaillent pas. Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Non non non, bien au contraire. C'est juste le fait de, c'est pas supposé être la seule façon non. de réussir en humour. T'sais, oui, il y a un instinct comique qui a besoin d'avoir. Ça fait pas la différence quelque chose de drôle puis une phrase. Il y a un problème. Mais j'aime ça qu'avec la bonne dose de travail puis d'efforts investis à, à la bonne place, tu peux avoir un semblant de carrière, mm -hmm. tu peux ne pas avoir volé ton spot puis être là pareil, t'sais. Contrairement maintenant au basket, même si je travaillais très fort, oui. j'y <laughs> arriverais pas là. Ouais, c'est aussi un autre but de ce podcast là, on te l'annonce officiellement, tu ne feras pas de basket. Non. Euh, je, non je, ah. C'est pas ça la deuxième partie. Tu croyais en heures, mes ça... rêves, là. Tu as ah, déjà eu tellement de rêves. Tu as une médaille <laughs> olympique, genre. c'est <laughs> ouais. <laughs> vrais olympiques, c'est juste plus de blessés. Surprenamment, <laughs> parce qu'il y en a beaucoup dans les réguliers olympiques. Ouais. Mais oh là là, mais c'est. Non, mais je sais pas, j'ai besoin de croire en le travail, spécialement pendant la pandémie. J'ai besoin de croire en la persévérance. Moi, dans la vie, c'est très personnel aussi, mais genre, comme moi, début de pandémie, la première fois que j'ai fait, je ne sais pas si tu te souviens, il y a le documentaire sur Michael Jordan était sorti, parlant de basket. Puis j'ai broyé en écoutant ça. Puis après ça, j'ai broyé en écoutant Rocky 1 puis 2. Puis après ça, j'ai broyé en écoutant beaucoup de films sportifs. Parce que je pense que j'ai besoin de croire à la persévérance. Je pense que j'ai besoin de croire qu'au final, tu t'embarques dans un chemin qui fait pas de colise de sens. Puis moi, ça. Écoute, euh, ah, c'est quoi C'est euh, le, le, le joueur de la NFL qui, euh, qui s'est agenouillé durant le. Oui. Sa série sur Netflix, c'est du génie. Ah, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Tu apprends des affaires. Tu, je tu comprends sa position de gars euh, noir qui était adopté par une famille de blancs, qui est dans un état très blanc aux États-Unis. Comment, comment il a vécu le racisme, comment il a été persévérant. Son histoire est magique. Oh ah, mon Dieu, je ne savais pas que ça existait. Oui, je vais écouter ça euh, en fin de semaine, mon chum. Euh, mais ce que je veux dire avec la persévérance aussi, euh, ça me ramène en fait à. T as, t as, t as, ça, c'est un bon conseil. Tu as dit, so, essayez d'être heureux là-dedans. Euh, moi, il y a quelque chose que j'ai commencé à faire cette année, puis honnêtement, si je devais choisir, mettons, genre, quelle affaire fait que je suis meilleur sur scène maintenant? Je pense, en tout cas, c'est le truc le plus concret, c'est mon hypothèse numéro un. Euh, j'ai arrêté de me voir dans le futur. Euh, en termes de carrière, je vois beaucoup de monde faire ça, puis je trouve ça triste et problématique, du monde qui littéralement m'ont dit, « Moi, je me donne quatre ans à faire un gala juste pour eux, sinon, on me tire une balle dans la tête. » Puis c'est juste comme, « Relax, man. » Pour commencer, puis oui, il faut que je me tienne avec d'autres mondes, puis me l'a dit, là, mais <laughs> Non, mais moi, je me vois pas quatre ans dans le futur. Je me vois quatre ans dans le passé. J'aime ça me dire que moi, il y a quatre ans, je vendais des cellulaires. Si, Puis jaillit les cellulaires. À... Tu as full raison, mais il faut malheureusement que, euh, avoir un côté ambitieux mm -hmm. parce que l'humour, 1, ça évolue tellement rapidement que comme artiste, tu n'as pas le choix de te renouveler tout le temps. De... J'ai l'impression que si tu pas en humour, ouais. tu en train de reculer. Ouais. Fait qu'il faut moins que tu aies le désir d'avancer pour arriver à faire du surplace. place. Oh, je suis jamais satisfait, là. ça c'est un autre ça, débat, je pense <laughs> qu'il faut avoir des objectifs pis, t'sais, on l'apprend à l'école de mots, faire un galoche pour rire n'est pas un objectif, non. mais de être capable de faire rire plus, c'est un objectif, d'être capable de mieux écrire, c'est un objectif, mais, mm -hmm. mais faut que tu aies une ambition pis que puis c'est sûr que hey, on... tu sais ça c'est des phrases qu'on disait à l'école de mot. Vise pas un galoche pour rire, c'est pas quelque chose de tangible, je me suis pogné avec un ami là-dessus dernièrement, mais Rêve quand même à ce petit nanane là. t'as le droit d'y rêver. Ouais, t'as le droit d'y penser à ça. T'as le droit d'y bon. rêver. T'as as, as le droit de. Tu sais, c'est une. la con, là, mais moi j'aime beaucoup euh, ma comparaison entre l'humour et les scouts. <laughs> c'est que euh, tu sais, faire un galage pourri, fais pas de toi un humoriste, faire un one-man show, fais pas de toi un humoriste. Euh, participer à La soirée est encore jeune pas, fais pas de toi un pas ton humoriste, jouer au jockey. Mais j'ai l'impression que... Hey, tu m'aurais c'est euh, l'espèce de grosse ceinture de, de, de scout le hein? flot c'est tout des petits badges oui ils sont le fun à avoir ce petit badge là Il faut faut pas arrêter de dire que ben non c'est pas cool de. Mm -hmm. non c'est le fun à avoir tu un gala, c'est un badge faire un gala, c'est un badge j'ai du fun à la remplir ma petite ceinture là je l'ai dit tantôt que j'aimais pas ça à chicane mais genre comme moi honnêtement j'aime beaucoup ton exemple je pense que je vais te le voler c'est le fait que genre peu importe le nombre de badges, tu es inscrit, tu es un scout. Genre c est, c est, euh, mm -hmm. Moi, dans ma tête, c'est ce que tu veux. Si as des ambitions professionnelles à essayer d'en vivre, tu es rendu un humoriste. Ce pas que tu sois un humoriste pas prêt pour rien, pas boucable nulle part, qui absolument pas en maîtrise de ce qu'il fait, mais genre, comme si tu décidé que c'est ça ton métier, euh, veux dire, il se pose pas cette question-là dans n'importe quel autre métier, là, à savoir de, comme chez Subway. C'est pas ton 300e sandwich que, que t'es rendu un employé chez Subway, genre. c'est bah, Ça, ça c'est un autre débat qu'on veut partir. Moi, j ai, j ai, j ai, il faut que je règle ce problème-là, mais j'ai de la misère en ce moment avec le, la, la, la vague d'Open Micer. OK. Euh, puis c'est correct, là, j'essaie de pas être dans le jugement, mais il y a du monde qui commence à faire de l'humour comme du monde qui joue au hockey dans une ligue de garage. OK. Qu'ils le prennent comme un hobby, mm -hmm. puis moi, ça vient me fâcher. Tu voles du temps de scène à quelqu'un qui veut faire ça dans la vie. Puis tu comme. je sais que c'est niaiseux. Puis il y a quelque chose de très beau que l'humour soit rendu démocratisé mm -hmm. hey, c'est correct de faire du théâtre amateur, c'est correct de jouer dans une ligue d'imprimateur. Pourquoi moi ça me fâche hein? Quelqu'un qui veut faire du de, 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 de stand-up amateurment parlant. Hein? Puis, euh, fait que eux, je les considère pas comme des humoristes. Puis je veux pas qu'ils se considèrent comme. Mais je sais que c'est niaiseux. Puis on dirait que ça, ça, ça vient me chercher. C'est comme. Je suis en amour avec ce art là Puis j'ai l'impression que quelqu'un ne le respecte pas quand il le fait de manière amateur. Je peux, peux comprendre. La seule affaire sur laquelle j'ai le goût de m'ostiner, c'est le fait que, genre, tu sais, voler du temps de scène, il ne vole pas ton temps de scène. Je ne sais pas si tu réalises. En oh, ouais. que vous ne faites pas les mêmes choses, vous ne feriez pas les mêmes choses, vous ne seriez pas engagé pour les mêmes affaires. Mais non, mais tu as du monde qui sont travaillants, qui sont vraiment forts, qui sont vraiment bons, des, 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 des jeunes qui sortent de l'école puis qui ont de la misère à avoir un show par mois. Mm -hmm. Mais le gars qui il, il sait que les bonnes personnes, qui fait son petit open de mic par semaine ou deux open de mic par semaine, comme tu voles du temps de scène à ce gars-là. Ouais. ce gars-là, il sort de l'école de mots il n'arrive pas à payer son loyer. Parce qu'il se fait pas assez voir, parce que je joue pas assez, parce que C'est là que ça, 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 ça vient me, non, me je peux, en non, je peux comprendre. Je peux comprendre, effectivement. Mais rendu là, tu as plus de soirées d'humour. S'il y avait plus de. Non, je sais pas si ça réglerait. J'ai l'impression d'avoir une solution comme le troisième lien à Québec. là. Genre, Ça va absolument. Ça agréer. va tout régler. Oh là là. C'est... Euh, je ne connais -vous pas. Dans les commentaires. Mais. Euh, oui, non, non, je peux, je peux pas t'assiner là-dessus, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup ça en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de bouchon qui s'est fait avec le COVID, puis là, les open micers qui sortent, ça n'a pas de sens. Il y a tout le temps un filtre, par contre, moi, c'est ça que j'ai remarqué, là, à savoir de. Tu ne feras jamais long feu si tu pas drôle puis si tu n'es pas travaillant. Tu sais, Mais il y en a, Steve. il fait trois ans que je vois qu'ils ne sont pas bons. <laughs> euh, ben oui, <laughs> T'as demandé qui, mais j'ai comme peur tu me oh, nommes. Off cam, <laughs> c'est pas, pas des a, personnes méchantes, c'est vraiment pas. Euh, des non, gens je jaillis, sais, mais mais je, je sais absolument. C est, c est, en plus, je suis là-dedans ces temps-ci, c'est fascinant, mais genre dans l'autoproduction, il y a des choses qui viennent avec le fait de prendre des décisions, puis on parlait de booking tantôt, ouais. puis c'était. Et euh, des fois, je m'engueule avec du monde, puis je comprends pas que le débat a lieu, parce que mettons, genre, quelqu'un me dit, j'ai fait 8 open mic, puis là je suis juste comme, bah moi c'est des soirées de 15, fait que ce sera pas possible. C'est quelque chose que j'essaie de faire, parce que j'en avais parlé avec Stéphanie Vandelac récemment, je pense, et ce ne sera pas facile, mais je pense qu'il faut euh, normaliser le fait de dire aux gens pourquoi qu'on ne les book pas. Non. OK. C'est trop de troubles, c'est trop long, tu vas te gober, ça va te gober du jeu à tout le monde. Ah, moi, à un moment donné, je pense qu'il va falloir. Là, je pense que c est, c est, tout le monde, je suis désolé, mais depuis qu'on le sait, depuis que ça a été dit que la liste n'existe pas pour vrai, c'est... C'est drôle. Oui, mais dans le sens que de, de dire à quelqu'un, c'est comme, ben, je n'ai pas de place. T'as assez comme excuse. Oui, oui, effectivement. Je trouve que ça fait moins mal à un jeune cancer que je te trouve pas drôle. Ah oh, non, 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 ça je dirais jamais ça à personne, mais c'est juste que. C'est p... la raison pour on ne boucle pas quelqu'un, c'est qu'on le trouve pas assez drôle. Euh, oui, mais déjà là il y a une nuance en fait là-dedans parce que c'est Mylène qui m'avait dit ça un matin, c'est quelque chose que j'utilise. En fait, littéralement le message qu'elle m'a dit euh, pour me refuser au brouhaha en 2016, c'est j'utilise le squelette de moi qui dit non à tout le monde comme message, c'est exactement comme Amélie m'a dit non. Et c'était, je connais assez mon public pour savoir qu'il y a quand même un certain niveau de standard et de reconnaissance du milieu en fait qu'ils attendent. Et par conséquent, je pense que t'es pas à 100% prêt pour cette soirée-là. C'est quelque chose que j'ai bien pris. Je trouve que ça se fait, puis ça se dit. C'est juste connaître son public parce que j'ai pas d'avantage à te bouquer pour que tu te plantes. T'as pas ouais. d'avantage à ce que là, je dis. Tu sais pas où je parle. Là. Et des fois, il y a du monde ils m'écrivent pour me dire c'est ça. J'ai fait quatre fois cinq minutes. Mais là, attends, t'es es, es au courant du patin du euh, Gang Show? Euh, ben je sais que le show existe. Okay. L'histoire du gang show, c'est une discussion que j'ai eue avec Anas à Suna parce qu'il me disait Charles, on essaie du monde à l'abreuvoir parce qu'il faut donner la chance à des nouveaux tentants. Mm -hmm. Puis ils n'ont aucun respect pour la soirée. Ils arrivent avec un, un pacing de nouvelles jokes qu'ils ont jamais testé. C'est comme. Oh hey, c'est ta première gig payée. Puis il me disait il faudrait trouver une manière de standardiser euh, qui, qui est popé, qui, qui est popé. D'où l'idée du gang show. Que ça devienne genre, Hey, j'ai fait le gang show puis je me suis pas fait gagner. » Ah c'est drôle ça. Ce. Fait que ça devient une espèce de, tu sais, avoir fait, dire que j'ai fait les cours du soir, l'école mot, ça n'indique pas la qualité ben de la up Ben non, non, ça veut Mais juste... avoir fait un chose que, il y a moi, Anthony Rivière, un juge qu'on te gang, si t'es pas drôle, ça donne un standard de qualité. C'est drôle en plus parce que genre, toi, ça fait un peu partie de ton personnage d'être mean. Anthony, sweet, fuck all. Ben, Il pas... va être... Taquin, il, 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 il va ouais, être bon là. Non, mais pourtant, je sais que c'est un bon roaster. Je l'ai vu au Roast, euh, au Show de Roast. Euh, au quelques, Minifest oui, au mini fest, au que j'adore. Ça, puis ça vert. Je ne sais pas pourquoi je le pitch, là, mais c'est. Ah oui, oui, non, je viens de me souvenir. C'est euh, mon gagne préféré. Ever. Je sais pas pourquoi c'est rendu à donner des fleurs à ça me vert, mais c'était Julien Chidiac. Euh, puis la catégorie, c'était euh, Décrivez votre adversaire en une chanson. Ça me vert, c'était comme. Ben, Ce n'est pas vraiment une chanson qui décrit Julien, c'est un peu plus le son. Indéfini d'un sifflet anti-viol. <laughs> Waouh! Wow. Non, non, ça va voir. Meilleur gag. Les gens gentils roast le mieux. C'est ça que je trouve fascinant. Mais en tout cas, bref, c'est une bonne idée. Je suis quand même content d'avoir. Euh, c'est littéralement un potin. Je pensais que vous aviez juste le goût d'être un peu, un peu méchant. Non, Mais non, a, <laughs> il, le, le but, c'est même pas d'être méchant. On aimerait ça. T'sais, on a 12 humoristes par show. Hein? On en veut 3. Waouh, d'où tu serais supposé de faire les plus grosses soirées du mois à Montréal. 3 hein? de comme, hey, on t'a pas gagné, t'es vraiment bon. Mais 13, ce petite bébelle là, ouais. trois qu'on va gagner en disant, t'es bon, mais là cette joke là elle a été faite en 70, puis trois qu'on va détruire. Ouais, c'est ouais, le gage gauge qu'on vise. Très cool, très, très cool. Je vais peut-être envoyer mon nom d'abord. Je suis quelqu'un de sensible. Mais est-ce que vous on payez... dirait que le monde a peur Ben ça fait peur. Ça, ça, ça <laughs> fait peur. Je te le cacherai pas. C est, c est... surtout que j'ai connu. Ben j'ai connu pas de mon vivant, mais je sais c'est quoi le gang show en fait, la, la formule originale au départ, puis. Seigneur des modes de télévision, l'enfer sur Terre, là, c'est, oui. c'est, ben j'avoue que ça peut être drôle en live. Fait que cool. Ça me rend triste l'affaire, euh, l'affaire de l'abreuvoir en fait euh, sur euh, les, les gens testés du Nouveau Monde puis qui respectent absolument pas la soirée. c'est parce que c'est quand même une institution l'abreuvoir en ce qui me concerne. Mais en même temps, je comprends tellement, les, les, les jeunes qui commencent, sortent de l'école, t'es de faire ton petit numéro de tournée, mais tu t'en as jamais testé des numéros des bars. Fait que là, tu fait ton numéro de tournée, je sais pas moi, au, au jockey, à une coupe d'open mic. Là, es comme faut que tu écrives du nouveau stock. Tu t'as même pas assez de stock pour faire un sano de chamarde. Fait que t'arrives avec une verre à un moment donné, puis ce barres là mange la claque. C'est juste dommage que ouais. ça soit l'abreuvoir ou au bras haut. Un conseil en autoprod que je donne un peu à tout le monde, en fait, c'est d'un peu. Autant que les potins, c'est important, c'est important de connaître les niveaux des soirées. Ouais. c'est. Euh, les gens, je sais que les gens n'aiment pas ça, puis je sais que c'est plus de même que ça marche, dans le sens que genre tu te fais pas booker en serrant une main, mettons, parce que tu as été voir la soirée, puis ainsi de suite. Là, euh, je n'aimerais personne, mais je pense que les bookers s'en foutent un peu de serrer des mains, mmh. et de suite. On le voit quand quelqu'un est en train de low nous têter un spot. Ouais. Genre. Mais ça se peut prendre une bière et avoir du fun avec quelqu'un, puis comme ça, je n'ai pas de liste pour ça. Là, je me fie encore juste à ma tête, mais comme il y, y en a un tabarnak des humoristes en vie. Là. Ça, c'est une affaire qu'il faut tout le temps garder en tête. On a tout le temps un peu le choix. T'sais, mettons, je, je lance cet exemple de même, genre, puis comme c'est euh, ni positif ni négatif, mais sais, mettons, Christine Christine Laurentier est bouquée sur un spectacle. Genre, comme, pis je l'adore, Christine. En ouais. fait, je te dis comme exemple, parce ben, je la trouve vraiment fucking drôle. À cancelle, parce qu'il y a l'autre chose, genre, c'est bien correct, là, genre, comme, c'est triste. Mais, tiens, à talent égal, puis je la trouve fucking drôle, Christine. J'en ai quand même une quinzaine en tête, mettons, juste en me promenant sur le bistrot McFonney, de genre, qui je peux contacter, puis ça va être le même qui niveau. Peut soirée, qui peut closer la soirée. En même. tant que tel, genre, on a tout le temps le choix. Puis, dans le doute, mettons, si je prends sur les 15 qui peuvent remplacer, il y en a une dizaine là-dedans que je vais passer un bon moment. Tu sais, prendre une bière ou ainsi de suite. Fait tu passer des bons moments avec le monde, ça fait une différence. C'est agréable, c'est bon pour une carrière aussi. Ouais. Euh, Être une bonne personne, je pense, ça l'aide. Oui, oh, effectivement. Euh, dans mon PowerPoint, il y a juste une photo de Joe Corm euh, là-dedans. <laughs> Mais non, comme, là, je fait que tu sais, aller voir les soirées, autant que pour le principe de passer un bon moment avec du monde, ça peut faire une différence, mais ça encore une fois, c'est un peu têteux, c'est un peu artificiel, c'est pas nécessairement le point, mais le point aussi, c'est de savoir si t'es prêt pour cette soirée-là, c'est important de se poser cette question-là des fois, tu sais, du monde, c'est pas contre le bon la fait d'avoir un 5 minutes, pendant longtemps, j'ai juste eu un 5 minutes, là. pendant legit un an et demi, j'avais mm. un 5 minutes de bon, ça m'a fait rentrer à l'école, c'est le fun, mais tu sais, c'est ça, mais... C'est une soirée de 15. Tu es supposé savoir si c'est une soirée de 15 avant d'y écrire. Si tu m'as ben j'ai fait 3-5 minutes différentes, je peux je y ramener conna... ensemble. C est, c est... Non, non c'est pas de même, ça marche. Pis... Moi, j'adore Jean-Michel Martin parce qu'il <laughs> fait des numéros conceptuels et il va juste aller faire un 15. Bon, ça c'est la fin de mon premier 8 minutes. Ah oh, oui, j'adore ça. <laughs> mais ça passe parce que c'est Jean-Michel, puis genre, ça marche, hein, genre. Non, oh, c'est Mais c'est juste Jean-Michel qui peut se permettre ça. J'ai fini. <laughs> Voici le deuxième segment de mon numéro. Oh, parce, c est... C est... Euh, parce que c'est deux univers qui ne font pas du... Euh, non, la mais c est, c est, avec euh, ça, j'écris beaucoup avec Jean-Michel, en fait. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais écrire sur un numéro de Jean-Michel, c'est super le fun. Parce que l'angle est déjà tout fait, Par ça, c'est juste comme c'est tout le temps des surenchères. C'est tout le temps comme puncher sur... Un, numéro que, un angle de numéro, c'est juste Jean-Michel. Sur la part des détectives, là, avec des, des pieds de poche, j'ai trouvé deux jokes faits en galop. Yes! c'est malade. Ouais, moi, j'avais écrit sur son numéro de, des, des chameaux de gens. Non, c'est ça. T'sais, moi, tous les gags bibliques, c'est tout à moi qui les trouve, en fait. mais c'est Tout le monde écrit sur ce numéro-là, en fait. Mais tu sais, c'est le fun de brainstormer avec Jean-Michel aussi, mais j'adore le fait qu'il fait ça. Esti, est c'est assumé de matin genre comme il enlève un chapeau puis comme fait que je suis plus un détective, je suis rendu un prof d'école secondaire. C'est ça. C'est genre comme, fait ça, ça c'est euh, c'est une joke là, j'étais pas vraiment un détective là, mais je suis vraiment un prof en train de divorcer. <laughs> C'est exactement ce qu'il a fait pour jockey, là, du semaine au euh, deux. Très là. nice, très nice. beaucoup Jean-Michel, euh, exceptionnel ce gars-là. Euh, euh, je donne beaucoup d'amour dans ce podcast-là, en fait. Je pense que j'aime l'humour aussi. Moi, il y a une personne, je pense, dans le milieu que j'aime pas, là. Sérieux? Je la nommerai pas, là, ben là. non, 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 c'est ça, c'est bien correct. Euh, ça, en fait, c'est un mauvais conseil qu'on m'avait donné dans le temps. C'est pas toi qui m'avais donné. Euh, il m'avait dit en humour, t'es supposé aimer tout le monde. Juste comme... En tu t'es supposé d'être toi, d'essayer d'être vrai, d'essayer d'être une bonne personne. C'est sûr que je... suis juste T'as pas la responsabilité de trouver tout le monde sympathique, c'est weird quelqu'un qui aime tout le monde. Moi, je me méfie de quelqu'un qui trouve tout drôle autant qu'un couple qui se chicane jamais. Pis vous cachez quelque chose. J'avoue que c'est weird un couple qui se chicane jamais. C'est fucking weird un couple qui se chicane jamais. Le pauvre, un couple qui se chicane jamais, ça couche pas ensemble, pis ça tue des gens. C'est. Je suis pas catégorique sur grand chose, je laisse un doute sur tout, mais pas là-dessus. 100%. Généralité. Let's go, les chums mais, euh, ouais, je vais finir avec ça, en fait, parce que c'est. Euh, ce documentaire-là, euh, ça fait longtemps qu'on jase, en fait, quand même. Euh, on, a, on a des choses à, à vivre aussi. Euh, c'est super intéressant, mais je finirais sur. Euh, c'est un documentaire qui est fait avec amour, parce que euh, moi, j'ai investi. J'ai hâte du... de le voir. ben euh, j'ai hâte de te le montrer. Mon Dieu, ça va être le fun. On hésite, en fait, encore un peu, parce que. J'en profite pour en parler. L'autoproduction, c'est tout le temps ça. J'en profite pour vous le dire. Si vous écoutez beaucoup de podcasts, vous reconnaissez les décors de d'autres podcasts. C'est tout le temps, en fait, comme l'autoproduction, c'est tirer profit des outils qui sont à ta disposition. Ouais. Fait que, je travaille ici, j'utilise des caméras pour faire ça. La formation, en fait, que j'ai ici, j'utilise ça aussi. Euh, les contacts que j'ai, en fait, c'est ça. Bref. Et euh, juste pour avoir un droit de premier regard, en fait, là-dessus, pour le diffuser en tant okay. que tel. Mais ils ont un droit de premier regard dans l'optique où il est tout tourné. Fait, que ce qui est le fun, c'est qu'on pourrait avoir de l'argent, ce qui serait sympathique pour le faire en épisode, ce qui marcherait aussi dans cette formule-là, où on pourrait en faire un film. On a ce choix-là. Euh, ce qui me tente aussi, parce que c'est un rêve depuis longtemps, tu sais, on s'autorisait à rêver en fait aussi. Et euh, moi, le, le but de ce documentaire-là, pour nous différencier de la même occasion des cinq prochains, c'était de payer nos loyers avec ces shows-là. Puis c'est très anticlimatique. En fait, je sais, c'est pour ça que ça va être sur le web, puis pas à la télé, en fait, sur le fait que. C'est pas un grand but, tu sais c'est pas impressionnant comme prendre Mike Ward dans nos bras à la fin du dernier show et qu'ils nous disent euh, je suis fier de vous, vous êtes mes enfants tabarnak mais comme c'est <laughs> pas clair et comme comment faire. Mais tu sais payer nos loyers, c'est une étape, c'est le principe que ben nous on n'avait pas de festival pendant le mois d'août, on s'est organisé des shows, on est capable d'en vivre un mois de plus en attendant que les soirées d'humour recommencent. Pis ça ça fait qu'on peut continuer une année de plus. C'est le fun, puis on est content. Puis pour ça, ça prend beaucoup d'amour pour le milieu. Euh, Comment dire? J'aime l'humour. J'aime beaucoup l'humour. C'est vraiment comme. Puis tu un peu répondu à la question en détestant les open micers qui font ça pour le fun, mais est-ce que tu aimes l'humour, Charles Beauchain? Euh, Charles Trois wow, 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 suis... fois, wow. Je pense que je vais le couper au montage. Je, 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 je suis désolé, man. L'humour, c'est ma, ma passion, c'est ma vie. C est, c est, c est... Je suis en amour avec cette bébite-là. C'est une relation à la limite toxique de. C'est toute ma vie, c'est ce que. Je... C'est ce que je fais, c'est... J'adore en faire, j'adore en consommer, j'adore euh, en parler. C'est comme c'est rechampe mon entourage à quel point ma vie tourne cool autour de ça. Seigneur Dieu. Euh, Pareillement. Euh, mais ça a été un plaisir d'en parler avec toi, Charles Deschamps. T'as dit mon nom comme du monde! Yay! La quatrième fois, c'est la okay. bonne. C'est... Mais ouais, en fait, avant de faire la petite conclusion, je pense que ça prend cet amour-là. Genre, je pense que l'autoproduction, la seule façon de trouver ça le fun, c'est... On en parlait tantôt, en fait, un peu, mais c'est beaucoup de métiers qu'on ne voulait pas faire au départ, qu'on apprend sur le tas pour pouvoir faire le métier qu'on veut faire. Genre. Mais ça vient d'une place d'amour, ça vient d'une place de volonté. De, c'est ça que j'aime. J'aimerais ça, aimer ça être comptable. Ce serait vraiment plus simple, aimer ça être comptable. Mais j'aime l'humour, j'ai le goût de baigner du j'ai le goût de parler du j'ai le goût de négocier des contrats qui ont le mot humour. J'ai le goût de connaître les cachets, j'ai le goût de respecter le j'ai le goût de remonter les conditions du monde, j'ai le goût de contribuer à ce milieu-là. Euh, je suis encore ému, je viens de repenser à ça, puis je vais vraiment oh. le compter à tout le monde. C'est beau, le million de dollars. C'est vraiment cool, je suis vraiment vraiment fier de ça. C'est extraordinaire. Puis le, le bordel, je n'ai pas le goût de dire, c'est autoproduit, mais techniquement, ça l'est un peu, en fait, quand on y pense. Oui, c'est euh, en dehors de. de quand, des, le, le fait qu'on euh, est six, puis les six sont gérés, produits par des boîtes totalement différentes, a comme l'industrie. Euh, ça sonne prétentieux là, mais j'aime voir le bordel comme la Suisse de l'humour. On n'est pas du bord de personne. Non, non on est, est du bord est... de l'humour. c'est fou en plus parce que c'est plein de subjectivités différentes qui, en moyenne, vous rendent objectif. C'est n'y a pas. Euh, c'est vrai, j'en parlais dans, euh, dans le temps. Euh, moi, puis il y a qui euh, faudrait qu'on ait pogné notre diagnostic d'autisme un moment donné, les deux, mais on avait fait euh, on, on avait fait le graphique des clics en humour. Euh, Wow! Ouais, t'aurais aimé ça être là, man. C'est Wow, c est, c est, c est... je veux voir ce graphique-là. Ouais, on aurait dû le prendre en photo en plus pour de vrai parce que c'était à l'époque, mais c'est vraiment le fun à faire. En fait, ça me a un donné, on t'invitera, mon Dieu, parce que c'est super, c'est brillant. En fait, genre, ça, ça va être mon brag, mais t'es invité, Charles Deschamps. Tu vois, je suis en train de le balancer. Mais euh, on, avait, on était parti d'un show, euh, puis c'est parce que ça a mal vieilli parce que c'était un show avec euh, quelqu'un qui n'est plus dans l'industrie. On était parti du show 2000. Là très facile à enquêter. On est parti du Show 2000, en fait, qui était un très bon show qui avait lieu au Zoo Fest ouais. de back in the days. On était juste parti en fait des gens qui étaient partis de ce groupe-là, puis on les avait comme segmentés en clics par rapport à avec qui ils se tenaient, puis ça avait donné littéralement un organigramme de comme cinq tableaux. On était dans trois classes différentes à l'école de l'humour, ça faisait pas de sens. on était parti, mettons, genre de comme Ben c'est ça, là-dedans, il y avait une Yannick de Martino, puis comme à qui ce qui se tient en ce moment-là, quel autre show qui a fait, il y avait la clique du jockey, il y avait la clique du loup-garou back in the days, il y avait la clique de l'open max du bordel, cest à dire ceux qui étaient à tu avais les réguliers du bordel, c'est-à-dire ceux qu'on voit un peu moins dans les soirées mais qui animent très souvent. T'sais, je pense à Ben Faire, François Bouliard, et ainsi de suite. Vous avez des préférés, puis ça fait du sens aussi en termes de. Il y a des gens qui ont prouvé qu'ils faisaient la job, tu la clique de juste pour de tu la clique zoufesse, puis et ainsi de suite. Puis au final, c'est bizarre, mais on avait créé une espèce de comme une représentation visuelle de comment l'humour fonctionne au Québec cette journée-là. Puis en ce moment, si je refaisais ça, les clics ont complètement changé et ce serait un organigramme complètement différent, mais tout aussi clair. ce que je trouvais le fun, en fait, c'était à quel point on a trouvé une façon de fonctionner dans tout ça à quel point, genre, y il y a plein de beaux messages qui sortaient, de cafés. je me suis même pas pourquoi je te comptais ça, en fait, c'est juste que c'était drôle, mais on avait réalisé, ah oui, non, c'est vrai, c'est pour ça que je te comptais ça, qu'il y avait huit bulles qui étaient huit clics différentes liés au bordel, et en fait on aurait dit qu'au final le bordel n'a pas vraiment de clic c'est il y a mettons genre des, des récurrences par rapport au soir. tu dans le temps que tu animé aussi il ouais. y avait Joe Guérin qui était là les mardis aussi également fait que t'avais certaines personnes qui revenaient peut-être un peu plus fréquemment tu avais Jacob par exemple qui était dans un, Jacob et Cheveria, qui était dans une grosse lancée fait qu'il était le plus souvent au bordel pour casser des numéros parce qu'il cassait beaucoup de stocks aussi fait que tu mettons avais ça mais au final le bordel a toujours été une représentation de ce qui se passe en humour à ce moment-là ça c'est beau en fait parce que c'est là j'arrête pas on est quasiment sur une conclusion puis on s'en va sur autre chose là mais le, le commun des mortels, il faut que je trouve une meilleure façon de les appeler, pourrait savoir relativement bien ce qui se passe dans l'industrie de l'humour, autant dans relève que dans l'humour établi, juste en allant, en allant une fois par semaine à la soirée régulière du bordel. Ouais. C'est genre comme même quelqu'un qui checkerait l'open mic et une soirée régulière chaque semaine, il serait vraiment bien aiguillé sur qui, qui est bon, qu'est-ce qui se passe puis qui, qui s'en vient. Genre. Puis après ça, tu as même euh, des moments dans l'année où que tout change. sur euh, euh, Le mois avant les galas... Là, tu as comme l'ADN du bordel change parce que t'as les animateurs qui sont souvent des, des grosses vedettes qui viennent pas tant souvent au bordel. Mm -hmm. euh, <coughs> t'as les Français qui viennent à cause du Zoufest qui jouent un peu plus souvent au bordel parce qu'ils sont juste là pendant un mois. Fait que tu sais, comme même dans l'année, l'ADN du bordel change pour s'adapter à l'industrie. C'est euh... mm -hmm. cool. Bravo pour ce beau projet. Ouais, merci beaucoup. Et sur ça, je vais vraiment te dire bye. Et, euh, Charles euh, Deschamps. Charles Deschamps. Tu vois, j'ai autant dit le bon nom que Paul pas le bon nom. C est, c est... Au moins, c'est kiff-kiff. Oui, oui, effectivement. Bien, merci Charles Deschamps. Ça fait bien, c est, c est, c est... Je suis en train de croire ton nom. Mais pour vrai, j'apprécie beaucoup que tu sois là. Et merci beaucoup d'avoir écouté aussi le podcast et ou le documentaire. Je ne pense pas que cette fin de podcast-là va être dans le montage du documentaire. Mais euh, écrivez-nous si vous aimez ça. On va peut-être en sortir d'autres éventuellement. ce projet-là va continuer. Mais d'ici là, c'était roulé, mais pas sur l'or. J'étais ça des Coteaux avec Charles, Charles Deschamps. Deschamps. Et on revoir. À la prochaine.